Spoil. Je veux voir. Non. Ça fait longtemps qu'il y a celui-là. De Lucia? Ouais, si c'est vrai, il faudrait que je le change. Alors, c'est parti. Je vais baisser le son pour moi. Allez, mon écran. Pourquoi il veut pas se lever? Bien. Oui. Qui? J'ai pas vu. Lui réponds comme s'il venait de me le demander alors qu'il m'a demandé ça il y a 20 ans. Hop. Mon écran, il est pas assez haut, mais il veut pas se lever, ça tente. T'as des livres à me conseiller? Moi, je veux lire celui-là. Je veux m'acheter celui-là, le prochain. Attends, faut que je retrouve c'est quoi. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Zaki va te faire enculer en vie. C'est quoi le nom du livre que je veux m'acheter là, putain? Attends. Oh, je sais plus, frère, alors que j'en parle tout le temps. Ça commence par un E, je crois. Regardez sur Amazon. Attends, normalement, sur mon Amazon. Est-ce que c'est mon Amazon qui est cool, là? Oui. Il y a une liste d'envies, je crois que je l'ai mis dedans. Votre liste d'envies. Je dis pas, je l'ai pas mis dedans, je vais serrer. C'est peut-être pas dans la liste d'envies, j'ai mis. C'est peut-être dans... pour plus tard. Une machine à billets. Ah, c'est ça. Je veux lire les Hadès et Perséphone. Il me semble, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas ceux-là que je parlais. Mais ceux-là, ils ont l'air incroyables. Il y en a plusieurs. Et je te redirai quand ça me reviendra l'autre nom parce que je l'ai plus. Mais Hadès et Perséphone, ça me dit grave un truc. Je crois que c'est un peu. C'est une histoire d'amour, c'est sûr, mais. Je te redirai. Hop! Auras appris le mot bonjour. Je crois Zaki, quand il est venu sur le live, il a jamais dit bonjour une seule fois. C'est impoli. Montage, donc si t'es partante, je pourrais essayer de faire des montages, de monter les rediffs. Bah écoute, avec plaisir. Hein, si ça peut t'entraîner, t'aider. Vas-y, fais-moi des petits pestoffs là. Ils sont trop bien. Bah voilà, Hadès et Perséphone. Je sais qu'ils sont incroyables, je les ai pas lus encore, mais je sais qu'ils sont incroyables. Hop. Oh, j'ai pas eu... Oh merde, la meuf. Là. Désolée. Petit œuf.
Bon, venez, on la change. Putain, je crois que je finirai jamais l'appart, hein. Je crois qu'on le finira jamais, hein. J'avais une déterre au début, puis maintenant. Les Zaytox, oui, c'est ça. Avec la double cut infique avec le PC portable, bah oui, c'est sûr. J'ai une pote qui les a achetés, ouais, non, mais vraiment incroyable. Le haut bleu? Tu parles de ça, attends. Est-ce que tu parles de ça? Celui-là? On la laisse comme ça. J'ai plus le collier encore, hein. Les livres que je veux, let's go. On rêve d'avoir une grande, giga grande bibliothèque avec des petites loupiottes de partout, là. Je suis insolente. J'ai de l'argent là. Toi, tu sors ton livre, je l'achète de suite. Faut que je m'y remette, les frères, mais ça prend tellement de temps. Oh, j'ai cru que j'allais crash. Qui c'est que ça? Mais attendez, mais mon haut, il est plus bleu, il est rose, là. Bon. L'excès. Mais vous avez pas la glandale? Elle est cachée. Je m'en sers en fait pour. Ah ok. Sauf que vas-y en fait j'ai vraiment pas dosé hein. Ah ouais. Ah, tu les vois bien les lumières. Ah merde. Tu vas te faire péter du coup. Non t'inquiète, okay. Je vais aller propre après. C'est bien Lucia. Eh ça va vous. C'est bien. T'as dit quoi la bête? Comment tu vas? T'as bien dormi? Moi? Bah oui toi. Si ouais moi ça va tranquillo. Hein. Et vous? Ouais, c'est bien. On a trabajé un peu là. On est sur les plantations. Ouais. Histoire de récupérer encore un strap. Sa chemise, elle est horrible. J'ai pas compris ce que tu m'as dit au téléphone. Hola todos, Alejandro est dans la place. Toi, ça fait une heure que ton téléphone il sonne, tu réponds pas. Si, c'est vrai, il était aux toilettes. Tu te fap chez what? Ah, il était occupé. Hola. Il se branle. C'est quoi fap? Il se branle. Ouais. Ah. Envoie-moi une pause, j'arrive avec mes gars. Bordel, Lucia, tu es trop belle dans cette tenue. Incroyable. Je cherche la plata, j'arrive. J'aimerais dire pareil de toi avec ta chemise. Nique ta mère. Je me casse, je retourne dormir. Allez. Mais... Bonne nuit. T'es vachement susceptible aujourd'hui, je trouve. Mais non, mais c'est juste ta chemise, elle fait penser à un ancien tableau d'art, quoi. C'est... Bordel, on m'a dit ça, après on m'a dit je suis une rideau de doux. Mais oui, jure, c'est vrai, ça le fait aussi. On dirait, tu sais, les vieilles, les nappes des tatas. Maintenant, je fais des pique-niques avec mon corps. C'est ça que tu me dis. Non, vraiment, sur 10, tu me mets combien? Bah, je pense que tu piques plus que tu niques. Sur 10? 7. Tu es une de ces menteuses, je m'en bats les couilles. Je m'en fous si tu m'aimes pas. Pas grave. Mais c'est juste ta chemise, elle est particulière. Ah, pardon. Vous êtes ici, je monte avec. On va où là? On va récupérer, mettre de l'essence et on va aller chercher un strap après. Ok. On a un peu step up au niveau des coachés comme tu peux le voir. Oui, bah la dernière fois vous attendez pour l'acheter. Je m'en doutais ouais, un petit peu. Ça y est. Ça là on a pris la BF400 aussi. Ouais. Okay, du coup on a tout ce qu'il faut pour au niveau coaché, on est bien là.
là, on va commencer à s'équiper. Avec vous hier, mais on était tous pas possible hier, tu vois, donc je vous ai rien dit. J'étais bien fatigué. Oui, normal, mais moi. Je t'avoue que la journée d'hier, en vrai, elle a fait du bien. Si, vraiment. Eh, attends, tu vas me suivre, je vais te montrer où j'ai planté, on va voir si tu le vois. Vas-y. Moi, je vois la tête de Lucia, mieux je me porte en ce moment. Quel bâtard. Il y a la pause. On va d'abord la pause. Vas-y, bah, je te suis. Vas-y. C'est pas la haine. Je te suis. Il peut faire des pique-niques sur mes pecs grâce à ma nappe. Quel pec? On a un kilomètre. Vas-y, go. Toi, t'es une tueuse, toi. Il me cherche. C'est lui qui commence. Il a pris 5 vérités sur toi. Connard. T'es un bâtard. Il a vu mon TikTok, cet enculé. Ah, je m'y attendais pas, enculé. En plus, au début, j'allais te sortir. Ah ouais, t'as entendu ça où? T'as pas envie de savoir? Non, vaut mieux pas. Ah putain. Je te rappelle dans 5 minutes, mon boy, ok? Vas-y, attends. Oh putain, je suis tombé dessus par hasard tout à l'heure, j'ai fait oh! Oh, coucou! Alors là, c'est du rapide. Toujours, Herman, on n'a pas le temps, nous. Ça, bien ça va et toi? Si, oh, quoi. Bon, on a mis un peu de temps, on était en train de mettre de l'essence, mais... Hola, todos! Hola, ouais. Excusez-nous pour l'attente avec la prison et tout. Ouais, tranquille, Herman. On a perdu des boys. Pas de galère. Ah ouais, les gars, heureusement que vous étiez pas dans cette prison, parce que putain... Bah, je te mens pas que dehors, c'était pas mieux. Ouais, mais je pense, ouais. Putain, je te mens pas, j'étais transformé en zombie, là, pendant 2 jours, On se connaît, non? J'ai goûté la chair humaine. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah ouais, je m'en souviens. Allez. Vous allez bien, les boys? Allez, tranquille. Ah, dis-moi, ça fait longtemps, il n'est pas vu King. Ça va ou quoi? Oui, normal, ça va. Ah, ok. Il est sorti de cette merde. Attends, quoi? King, il est mort? Ouais, King, il est mort. Je me disais, ça fait un bail, je ne l'ai pas vu. Et Sky aussi. Elle a disparu. Eh, viens voir, vite fait. Ok. Du coup, excusez-nous pour l'attente sur cette commande. Tout ce qui s'est passé. Tu connaissais mon frère, non? Ouais, Louis. Tu as des nouvelles de lui dernièrement? Bah, il y a un gars qui m'a dit qu'il était mort. Qui t'a dit ça? Je sais plus, c'est dans la rue, parce que moi, tout le monde savait que je traitais avec lui. La boîte de base, de toute façon, on vous compte. Comme on y allait souvent. Je sais plus qui, en fait, je serais plus, c'était il y a quelques jours. Hein. Semaine. Jour, ouais. Et il t'a dit comment? Ou il t'a dit quoi d'autre? Non, mais juste dans le conflit, quoi. Dans le conflit? Ouais, dans la guerre, il n'y a pas eu une guerre. Moi, j'étais Ok, parce que j'ai pas de nouvelles de lui depuis. Et la dernière nouvelle que j'avais, c'est qu'après la guerre, il était encore en vie. Puis après, j'ai. Tout ce que j'ai entendu, c'est que c'est les. C'est là. Je sais plus comment ils s'appellent là, les. Alejandro. Ah. Austin. Il y a une famille, ouais, les Austin qui contrôle le. 18-21. L'île. Oui, mais ils ont rien à voir avec mon frère. Bah, non. Okay. Mais je sais que c'est eux qui ont repris juste après. Là. On dit que c'est l'État, mais ils y sont jamais. C'est plus contrôlé par la famille. Ok, gracias. Donc, moi, je connais pas les histoires derrière, mais. Si jamais tu entends parler encore de lui ou tu te rappelles le nom, tu m'appelles. Je vais essayer de gratter. T'as mon numéro ou pas? Non. Comme si c'était mon pote, je vais demander. Je fais pas beaucoup de bénéfices dessus. Attends. Après, si mes fournisseurs, ils peuvent. C'est quoi ton nom déjà? C'est Lucia. Exactement, si vous m'en commandez beaucoup. Et mon numéro, c'est 2754. Okay. Aussi, concernant les 15 prochains chalumeaux. Ah, si, je crois que je l'avais. Je sais pas si on les a récupérés. Ah bon? Ah non, 38-52. Non, c'est pas ça. Moi, c'est Bowie. Parce que c'est pas moi qui gère ces archives. Ah, d'accord. Ton P7, entre toi et moi, ton pétoir. Je me doute que tu fais un peu de marge, mais tu le touches à combien? Le pétoir? Ouais. Je crois que c'est. Moi, j'en commande presque jamais, mais je crois que c'est 30 000. C'est tarpin cher. Hein. Ça donne quoi que ce soit, ouais, c'est la dernière fois. Ça marche, merci. Tu me tiens en jeu. L'eau de 5 pétoirs. Prix minimum 150. Ouais. Putain, c'est cher un pétoir. Faudrait voir. Ouais. Hein, si jamais un jour il y a plusieurs fournisseurs, peut-être que. Ah, parce que la diff elle est minime avec les 9 et. Pour ça que moi je commande que des. Je te rappelle dans 5 minutes, mon boy. Je commande que des Beretta, des Glock. Bah ouais. Minimum quoi. Ouais, bah ouais. Parce que.
Ouais, moi j'aimerais bien en avoir deux ou trois sous le matelas au cas où, tu vois, mais quand je vois la diff de prix, autant après, le seul avantage, c'est que si tu te fais péter avec un pétoir, je pense que tu prends moins cher qu'un 9 mm, quoi. Tu prends moins cher, c'est pour aller braquer une banque ou quoi, vaut mieux avoir ça, ça suffit largement pour ouais, c'est moins de perte, la sécu. C'est pour ouais. Ce genre de truc que je veux avoir moins de discuter avec 7, une personne ou deux là, rapide. Vas-y, dis-moi. Ouais, moins de perte, mais aussi au niveau de l'amende, tu te feras moins niquer. Ouais, je pense. Il y a moyen. Ok. Ok, bah écoute, ouais, non, c'est cher pour ce que c'est, je te demande pas. Et bon, pétoir, ça va dire que tu le dissimules plus facilement que... Après, sinon, on en gagne, et que toi, ça t'intéresse, et que nous, on en a trop en stock, bah, hey, ça te dira, de toute façon. Vas-y, carrément, je te mens pas, moi, c'est... On en a quelques-uns sous le coude, là, mais si tu... Ça arrive souvent d'en gagner, tu vois ce que je veux dire. C'est les trucs que vous avez gagnés ou que vous avez payés? Non, il y a des trucs payés aussi. Parce que s'il y a des trucs que t'as eu free, que tu veux te faire un billet dessus, que tu t'en sers pas, moi je te les reprends, tu vois, mais à 30 plaques, je les prends pas. Putain, mais je te rappelle dans 5 minutes, Ivan, ok? Gracias. Je suis un ministre de l'économie. Faut que je vois. Ouais. Moi, je vois plus... si t'as moyen, ça m'intéresse. Si tes trucs, tu les as achetés 30, oublie, tu vois. Je te le dis. Vas-y. Bah, on vous rappelle pour ça, du coup. Pas de soucis. Du coup, la tête, c'est toujours la même, ça a pas changé chez vous? Il y a 3 têtes chez nous. Putain, une chimère. Ouais, non, comment il s'appelle le chien dans les enfers? Cerbère. Un Cerberus, le truc. D'accord. Un pour les armes, un pour la weed, un pour le quartier. Non, enfin, ouais. On se divise un peu tout, mais on va dire qu'il y en a, ils sont plus disposés, par exemple, RJ, tout ce qui concerne le LTD. Parce que comment tu passes plus par lui, quoi. Ok. Ok, bon, bah, c'est bien. De toute façon... Là, c'est en plus c'est RJ aussi qui est en train de s'occuper d'un truc pour vous là, par rapport à vous et par rapport à d'autres personnes pour vous faire un petit lot à gagner là. Oh. On avait parlé une fois, mais il y a un truc d'organiser. Un tableau avec tous les livres que je veux. Tu me l'enverras. Je te dirai si j'en ai lu. En train de tout mettre en place pour que ce soit aussi sympa. Donc, dès que c'est prêt, on vous appelle. Vas-y, c'est carrément boy. Bah, grâce à ça pour toutes ces infos, on se tient en jus pour le reste. Et. Vas-y les boys. De toute façon, bah là, on n'a pas pu vendre depuis 2-3 jours, avec les problèmes qu'il y a eu. Dès qu'on a besoin, ou ça, comme d'hab, tu connais. Petite question, vous vendez où, vous? Partout, Hermano. Je te mens pas. Okay. Je vends aussi bien à l'aéroport parce que tu m'avais donné l'accès la dernière fois, que à la playa, que à la fête foraine, que partout. Que Vinwood. On sape toujours avec les L13 dessus, donc faites. Ouais, ils m'ont dit, je veux pas de mytho, ils m'ont dit. Vas-y, mais vas-y. Par contre, ils m'ont aussi dit qu'ils avaient récupéré. Alors, Ok, ça se tape toujours. Okay. C'est juste que là, ils en ont profité qu'on était tous en prison et après, hier, on n'était pas là, etc. pour dire ça, mais. Ah ouais. Je t'ai rien dit. Non, mais tant qu'il n'y a pas de sang, Mathis, tu connais. Vas-y, ça roule les boys. Force à vous. Vas-y. Buenas. Vas-y les boys. Buenas. Blacky, je te suis. Blacky, je te suis. Faut arrêter de reprendre les terrains. Sans... Je t'entends pas si jamais. Vas-y, ouais, t'inquiète. Suis-moi, regarde. Tu as raison, tu vas me dire si tu les vois. Mais là, il fait jour, je suis sauvé là. Ah bon, putain, mon téléphone il a sonné 4 fois. Une secrétaire. Vraiment, je vais rappeler Ivan d'abord. Qui, Ivan? Elka. C'était bien et toi? Pourquoi tu verras pas les rediffs? Je vais faire au plus vite, les gars. Promis, je fais au plus vite. Ouais. Bah, je te mens pas qu'hier, avec les problèmes qu'il y a eu, il n'y a plus rien voir. Et là, j'attends que mon contact se réveille. Mais sinon, ouais, je te dis 750, 800, enfin 800 du coup. Ça te fait gagner à chaque fois 200 sur le truc. Quinzaine. Bah, de toute façon, tu peux. Le mec là-bas, il t'en prend une quinzaine par semaine, max. Hein. Pour ton groupe et tout, donc ouais, voilà. Vas-y, c'est bien. Vas-y, je te laisse, c'est mon téléphone qui sonne encore. Buenas. Vraiment, ça ressonne encore. Oh, c'est le Jiwoo. Insta. Je te jure, vraiment. Voilà, on va rien voir, il fait jour. Ouais, Devon. Allô? T'as besoin de quoi? Attends deux secondes, les gars. Tu vois les badges bleus? Voilà, en plus. T'inquiète, genre, moi j'ai besoin d'être dans la street. Hein. La tête de WAM. Hein. Là, j'ai les orphelins sur le cul, les Black Vanguard et les L13. Rien que ça.
Ouais, rien que ça, ouais. Mais tu sais bien, pour moi, c'est de l'eau, cousin. Y'a pas de soucis. Hein, je baisse la daronne de tout le monde. Avec du par la texte. Vas-y, tu veux qu'on se voie, histoire qu'on en parle pas au téléphone. Non, 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 non. Y'a pas de. Y'a pas d'où on se voit. Y'a pas de tout ça. C'est... Écoute, si t'arrives à m'en choper un, je te mets bien. T'as capté, t'as trois cibles. L13, orphelin et. L13, orphelin et. Ouais. Et BV. BV. Ok, ça bien. Okay. Vas-y, vas-y, bien vu. Ok, bon, ok. On a croisé des Black Vanguard, enfin une Black Vanguard en jacalement. Je sais plus c'est quoi. Et bref, regarde, tu vois les bâches bleues à ma droite là. Les bâches bleues à ta droite. Oh, derrière là, ouais. Ouais, j'ai blonde là. Mais quand il fait nuit, ça se voit de ouf. Oracle blanc. Ouais, mais là on voit rien. Et d'ailleurs, ouais, faudrait pas que t'ailles récolte là. Si, si, on va y aller vite fait à 3 là. Vas-y, allez-y à 3. Nous, je vais aller chercher un autre strap, je pense. Vas-y. Eh, je vais au pire, je rappelle Devon. Non, je vais déjà rappeler mes numéros qui m'ont appelé. Comme ça, on met un strap par voiture. Putain, mais c'est chaud aussi d'avoir un strap, tu vas attraper un mec. Ils vont tomber, ils vont s'en ressortir 4, t'es mort. Bah ouais, c'est ça. En fait, il en faudrait un isolé pour qu'on soit bien. Ouais, surtout que les orphelins, je les ai jamais rencontrés. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée, mais... Ivan, je l'ai rappelé. Alvaro, qu'est-ce qu'il veut ? C'est qui Alvaro déjà ? Je sais même plus avec qui il marche. C'est Chloé. Ça va encore Kaki, je trouve. Après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs déjà qui ont été déjà faites, vues et revues. Bon, Alvaro, nique ta mère. Ah oui, et il y a le petit aussi qu'il fallait que je rappelle. C'est le petit. AB. C'est un mec un pequeño chez les Wu. Les Wu ils veulent qu'on aille habiter chez eux. Ouais, dis-moi, Abby. Tu m'entends ? Dis-moi, tu m'as appelé ? Le mec qui dit tu rentres dans une biche, je sais pas, la moindre des choses. Après, ouais, après les têtes, tu les ramènes. Bah, après, soit tu vois avec Lilti. Je sais pas comment tu t'es arrangé avec eux de base, donc. Ouais. C'est pas la meilleure couleur sur une voiture, oui, je suis d'accord. Et en vrai, okay, bon. Ok, ok. Vas-y. Voilà, je t'ai. Ouais, tranquille. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je t'ai dit, de toute façon, on va se répéter à l'occasion. Non, mais moi, c'est pour chercher du boulot. Donc vas-y, c'est bien. Bon, il y avait personne, parce que je crois qu'on a croisé Gilles il y a 30 secondes. Du coup. Je vais filer le strap après au gars. Qui pouvait me filer un strap ? J'ai quoi là ? Il m'a vendu quoi ? Un Beretta. Tu vois, quand on était au rendez-vous, là, j'ai parlé avec un des chasseurs. Ouais, ouais. C'était quelqu'un qui était ami avec mon frère. Avec Louis ? Mmh. Ok. Et il m'a dit qu'il y avait quelqu'un, mais il se l'appelait Puki, qui lui avait dit qu'il était mort. Ouais, mais je vais dire une connerie. Hein. S'il m'a croisé moi, et que vu que j'ai plus de nouvelles de Louis, par exemple, bah pour moi, je préfère penser qu'il est mort, comme Jimena, tu vois, j'ai pas de nouvelles. Et, mais je pense qu'il a peut-être dit ça. Je pense qu'il a dit ça parce qu'il y a eu la guerre, tu vois, qu'il n'y a pas eu de nouvelles de lui, parce que quand je lui ai demandé s'il avait des précisions, il a dit parce qu'il y a eu une guerre ou je sais pas quoi. J'ai dit oui, bah. S'il pense ça, il pense comme tout le monde, quoi. Mais il en a aucune certitude, je pense. Ouais. Enfin, j'espère. J'espère aussi, je te mens pas. Caillot, vous y êtes retourné ? Depuis que vous avez Caillot... fait les habitations, tout ça, là, vous avez reconstruit ? Non, ouais, on a reconstruit, mais c'est tout, quoi. Ici, c'est le terrain. Je vais appeler... Requin, j'ai vu quelqu'un vendre au fond. Je passe pas la zone. Oui, oui, je lui ai envoyé un message. Salut Snoopy. Ouais, t'es avec ton OG ? T'es avec lui dans mais la ouais, voiture moi aussi, ou moi à pied aussi, je ou autour de toi, rôle non ou pas ? De faire des bêtises en gros, Périne, tu vois, de désobéir. Okay. Playa, il y a un mec qui vend. Je suppose que c'est un des orphelins puisque c'est leur rinté. Là, il y a un mec qui est en train de vendre un lac sans là. Je viens de passer, j'ai vu quelqu'un.
Et vu que j'ai qu'un strap, je sais pas si c'est un bourbier ou pas, tu vois. Vas-y. Tiens-moi jeu. Faut qu'on ait un deuxième strap. Hein. On en a qu'un ? On en a deux. Je vais filer un strap au gars. Le problème, c'est qu'on a... Bon, tu me diras, 12 balles, ça suffit. Hein. De toute façon, j'ai envie de te dire, si on a que deux straps, le but, c'est pas que ça tire. Je te jure. Je vais aller chercher. Vas-y. Mais... Quoi ? Tiens, je te mets dans la boîte à gants. Tu prends ça déjà. Et au pire, on divisera après sur le long des caisses. Ok, il y a des cloquettes. Pose pas de questions, j'ai pas de réponse. Il est où mon masque ? Il est là. Hop, le flingue dans la poche. J'espère qu'il est encore là, ce bâtard. Il est déjà parti ? La grâce de la chance. Putain, nos couleurs elles sont pas connues encore, hein. Je viens juste de les faire. Petit kaki caillot là, yam. Après, s'il est logique et si c'est pour ça qu'il est parti, il avait une voiture venir palpiter sur son terrain. Mais moi, tu viens peut-être sur mon tu viens sur mon rinté, je descends. Oui, oui, bien sûr, mais il avait une voiture, il l'a pas vu avec combien de personnes, peut-être, c'est pour ça qu'il a bougé. Peut-être qu'il est parti justement s'armer ou autre. Parce que ouais, je pense que s'il vend, il a pas d'arme. Pas faux. Trop risqué. Pas faux, pas faux. Donc fais attention qu'il soit pas revenu avec d'autres gars dans une coachée. Bon, au pire, moi je me balade, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Tu sais, on a des problèmes avec personne. À part que t'es masqué, mais. On va démasquer après. Ouais, ouais, démasque-toi pour l'instant. Je vous jure, il y a un fantôme, vous avez vu ? Ça qui t'interdit tout. Oui, bah oui. Parce que Kaya, c'était un peu... C'était pas une mineure, mais... Enfin si, c'était une mineure. Tu vois, c'est leur rinté ici. Ouais. C'est un gang ? Je sais pas du tout. Moi, je suis un peu perdue depuis que je suis ici. J'ai l'habitude de Kaya, moi. Bah, je te demande pas que... Blacky qui m'appelle. Ouais. Viens Playa, je vais vous filer un strap. Et le but c'est d'attraper un... Soit un orphelin, ce serait... Va plage. Ouais, je suis au niveau de... Je suis au milieu de la plage, Hermano. Je te mens pas, je suis pas loin du petit parking là. Non, leur terrain c'est la plage. Donc tout à l'heure j'en ai vu un vendre il y a 5 minutes. Donc j'ai juste été chercher le deuxième strap, je sais pas où ils sont. Voilà. Vas-y. File-leur le strap, comme ça ils en ont un dans leur caisse. T'as un couteau ou un truc toi avec toi au moins? Moi? Ouais. Non. Moi j'ai un couteau. Moi. Vas-y, file-lui un couteau. Au moins qu'on soit, qu'on ait. Moi je suis perdu. Mais tu veux pas sortir les pétards maintenant là? Mais ça y est, là y'a tout. Il n'y en a que deux? Ouais, ouais, y'a que deux pour l'instant. Eh, ça va ou quoi? C'était bien et toi? Merde. Ah. Attends. Là, je te montre pas que je suis en train de chercher quelqu'un. Non, c'est bien, Hermano. Je le cherche la pour. Mais imagine quand je me suis imposé, elle serait rouverte. J'aurais pété un plomb. T'inquiète, s'il y a besoin d'un plan mule, je t'appelle. Vraiment. Attends, va monter avec vous parce que vas-y, on va prendre le trophée, c'est mieux pour. Vas-y, vas-y. Il va le prendre le trophée. Faites gaffe aux... Vas-y, vas-y, non, c'est bon. Je peux aller à mon... Ah, tout à l'heure, Hermano. T'as une arme blanche avec toi, Hermano?
Non, y'a rien à la maison. Vas-y, on va passer à la récupérer. Ouais, ouais. Vas-y, me dépêche. Vas-y, vas-y. Et du coup, vous voulez vivre avec les Wu? Je sais pas du tout. J'ai pas vraiment envie d'être affilié à un gang. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. En vrai de vrai, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut rebouger sur Kaio, non, ça sert à rien de s'afficher avec quelqu'un. Si on veut grossir ici, ça sert à rien de s'afficher avec quelqu'un. Si... Ça dépend. En fait, ça dépend de tellement de choses. Parce que si on va habiter dans une ruelle d'un gang, d'un quartier ou quoi, on est affilié après. Oui, bah oui, parce qu'on va dire le quartier où à chaque fois. Voilà, t'as capté. Oui, mais pourquoi vous voulez habiter chez les Wu? Non, non, pas spécialement, mais c'est lui qui m'a dit il va falloir qu'on discute un jour, que vous venez vivre avec nous un truc, tu vois. Après... Elle est l'Ostekes, on a... Parce qu'on n'a toujours pas parlé avec eux. Les TK, c'est une organisation, c'est encore différent, Hermano. Alors ? Bah, c'est un autre monde. Il n'est pas dit que demain, on va faire. On va rentrer en business avec eux. Ouais, mais eux, ils sont déjà en guerre contre les. Contre les 777. Contre les gens qui ont tué nos amis et notre. Voilà, famille. Donc ça veut dire que si on s'officialise avec eux, on signe notre arrêt de mort aussi à nous. Non, on peut faire ça discrètement, c'est à nous d'être intelligents maintenant. Oui, non, mais Hermano, eux ne le sont pas intelligents, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui casse les couilles. Ils vont pas hésiter, le premier qui vont attraper de chez nous, à lui mettre une balle dans la cabeça. Sachant qu'on a déjà un passif avec eux. Toi, moi, tu vois? Bah, c'est moi, ils savent, je suis morte, hein. Sûr. Voilà, en plus. Du coup, vous voulez faire quoi? C'est quoi votre proposition? Bah, justement, en fait, là, on a exposé juste les options qui s'offrent à nous aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a les Wu tout à l'heure qui m'a dit « Ouais, il faudrait voir pour que vous veniez habiter au quartier ou quoi. » Mais s'afficher avec un gang, c'est être affilié à eux. Savoir si on veut retourner sur Kaio. Mais qui va vouloir retourner sur Kaio si c'est dirigé par les 777? Parce qu'on sait de source sûre que c'est eux. Parce qu'ils me l'ont dit. Ils te l'ont dit? Ah ouais, ils me l'ont dit. Quand en fait, il m'a dit « Ouais, t'as de la chance d'être encore en vie. Tu devrais être un prisonnier de guerre. » J'ai dit « Comment ça ?» Il m'a dit le jour où t'es venu chercher le capitaine, j'ai dit comment t'es au courant de ça toi? Il m'a dit parce que c'est moi qui t'avais attrapé. Nique ta mère toi. Ah. Et du coup, je sais que c'est lui, tu vois. Je sais que la SMP c'est les 777. Donc. Caillou, ça va être dirigé par eux et leur mère qu'ils essayent de mettre en place là tous. Donc est-ce qu'on veut. Essayer de mettre en place. Un maire qui c'est nous américain. A dit ouvertement, droit dans les yeux. Oui, c'est américain, mais peu ça importe. Ça va être Ibiza, il y aura de la drogue et des putes, il a dit. Il a surtout dit... comment il nous a dit ça? Je m'en fous des Perriconios. Oui, ça sera un endroit balnéaire pour les vacances, pour tout le monde. Et voilà, c'est ça qui va devenir Cayo Perico. Merde. Donc, est-ce que... On veut aller vivre là-bas avec ce gouvernement en place? Ou est-ce qu'on patiente et un jour on met nos vies en jeu et on essaye de récupérer notre pays? Les seules personnes susceptibles de nous permettre de faire ça, c'est les Losteques, malheureusement. Si, allons, ils seront morts d'ici là, Hermano. Dis-moi, je suis place des cubes. T'es tout seul? Mais c'est lui qui avait le strap en plus. Ok, vas-y. Ouais, je suis en train là justement, mais je suis garé au niveau de la banque. Vas-y, à tout de suite. Moi, il vous ment pas que. Je vous jure, il est déformé dans les doigts. Hein. Il a envie de me venger, il a envie de faire des choses, il a envie de défendre mon honneur. L'honneur du pays qui a été bafoué. Et Hermano, on a tous envie, mais pour pas l'instant... envie de dormir on... et...
On a deux pétards, tu veux que je fasse quoi, la guerre avec des lance-pierres? Non, il parle pas que de nous tout seuls. Oui, certes, les Los Teques sont pas très affûtés, mais... Non, pas pour moi, après c'est mon point de vue, c'est l'option la plus viable qu'on a à notre possibilité, tu vois. Ils sont déjà morts. J'ai envie de devenir un gars du quartier des Wu et vendre de la drogue pour un Karanchov. Mais c'est pas... C'est parce qu'en fait, vous avez la... J'ai pas dit que je voulais ça, attention. Mais vous êtes trop focus sur on fait qu'une seule chose, alors que non. Vas-y, y en a un qui va avec lui, les gars. Tu y vas, toi? Vas-y. On fait quoi, du coup? Bah, je vais monter dans le nord, je pense. Ouais, ah, attends, c'est... Ah, c'est à cause de ça que là, t'es... Tu parles à qui? À toi. C'est à cause de quoi? Ce que tu m'as dit avant, c'est le dernier message que tu m'as envoyé? C'est à cause de ça? Le dernier message? Oui, oui. Ah ouais, il a abusé du bail. Ouais, bah ouais, du coup, bah, t'as vu, il est parti dormir. Waouh, relou. Ouais. Ah, du coup, je sais pas quoi faire. Mais ouais, attends. Panto. Tu sais, j'ai presque envie de l'arrêter. Ouais, mais moi, j'ai envie de la retourner, moi. Viens, on va se garer quelque part vite fait, on discute. Vas-y. Parce que taper les L13, je sais plus si les L13 on est en bon terme avec eux ou pas. Les L13 on est en bon terme avec eux, non? Putain, faut que je regarde dans mon téléphone. Parce que... BV, on les a rencontrés dans un endroit sombre l'autre jour, j'étais avec Raphaël. Moi je me rappelle de eux, frère, qui nous avaient braqué sur la récolte de trucs là. Après on avait vu une meuf là-bas. Et les orphelins, un coin du bâton. Et là, t'as vu ce qu'il a fait l'autre fils de groupe. T'as vu? Ah, c'est... Ah, mais là, tu le verras plus. Van qui nique sa grand-mère la pute. Ah ouais, ça y est. Ah, bah, je vais insulter sa grand-mère, je vais lui tirer dessus déjà. Non, fais pas de conneries. Par contre, préviens, envoie un message à Lucia et à Alejandro pour qu'ils comprennent aussi, du coup. Vas-y. Parce que sinon, ils vont pas comprendre. Ah, mais c'est con. De quoi? Je vais leur expliquer, t'inquiète. Vas-y. Black Vanguard, Longo stressé, je crois qu'on est bien avec eux. Je crois que c'est pas ceux qui sont en Capital Borough. Là, vous êtes en train de choisir qui on va péter, c'est ça? On va pas tomber sur les quatre. Mais... Oui. Dans tous les cas, après, tu vas peut-être vouloir péter un tel et tu vas tomber sur un autre. Oui, aussi, oui, après ça, mais voilà. Après, à la limite, tu choisis qui tu ne veux pas péter, tu vois, plutôt. Ah, c'est ça, mais le truc, c'est que toi, t'as des contacts aussi, donc je sais plus avec qui on est en contact, bon terme, pas bon terme. Oui, t'avoues, tous les noms qu'il a dit, on est en bon terme à l'heure actuelle, mais après, c'est parce qu'on est trop des gentils, tu vois. Après, les longues. On est gentils avec tout le monde. Bah, c'est normal, ça, c'est pour notre survie, hermano. Parce que tous les noms qu'il a cités, pour l'instant, dans la street, ils nous graillent en YZ. Hein. À part les orphelins qui, je crois, sont de notre taille. C'est les orphelins, c'est les plus intéressants, justement, pas de tout ce que j'ai entendu. Ouais, mais y a les orphelins, ils sont dans le nord. Ouais, mais il y a un problème avec ça, du coup. Dis-moi. Bah, il va te donner un message, il va te donner un petit bout de papier. Bon, genre, c'est bon, tiens. Regarde. Garde ça pour toi. Hein. Du coup, ça complique la chose. Lourd. Ouais, lourd. En fait, je sais pas comment vous le dire, mais... Attends, c'est pas... Et ça baisse tout ce que je voulais faire parce que moi j'étais focus sur ça déjà. T'as vu, je tournais à la playa déjà. Mais en mode là, il a dit ça en mode en détente, en mode de... T'as vu, il a dit j'arrive, tu vois. Sauf que bah, t'as vu, maintenant ça va se méfier, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Hermanos, ça nique tout. Ça, ouais, ça fait un moment que ça se méfie, hein. Ah ouais? Ouais, je t'expliquerai, mais ouais. Ouh. Toc. T'as relancé une prod là ou pas de weed? J'ai enlevé, je te jure, c'était trop cramé là-haut. Ouais, c'est mieux. Ok. Je peux trop ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait? L13 ou. Le problème, c'est que la L13, il nous tombe dessus derrière. Ish. Et l'autre, c'était qui? Moi, je vais pas vous mentir, je pense que. Je sais pas, c'était qui l'autre? Après, vous me dites ce que vous pensez, d'accord? Vas-y. Malgré tout, t'as vu? Je me suis arrêté pour ça, hein, Hermano. Regarde, simple. T'as vu, là,
On va se masquer, on va prendre des pétards, de ce qu'il faut. On va monter. On va monter dans le nord, sa grand-mère. Ça va faire des gros têtes à queue. Ça monte dans la voiture, nique ta mère. Et les gens vont monter dans la voiture et on va faire un peu de sale, là. Oui, mais Hermano, Hermano, regarde, je vais faire un truc. Hein. Attends, il est où l'autre? Il est là-bas. Je vais faire... Monte dans la voiture, fils de pute. Il y a 4 calibres qui vont arriver sur mon crâne. C'est moi qui vais monter dans la voiture, fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste à voir dans quelles conditions ça se fait aussi. Mais oui, mais c'est justement, c'est... Waouh, mais... Comment... Oh putain. Et bah heureusement que t'as pas fait ton exam plus tard. Ouais, vraiment, à 3 secondes près, j'étais mort. Pourquoi vous dites ça? Ah d'accord. Bordel. Donc... Tu peux me remontrer, j'ai pas bien compris. Nique ta mère. Et du coup, c'est ça le problème en fait, c'est que faut vraiment que les conditions soient toutes réunies en plus, que limite il fasse beau, qu'il pleuve pas et tout. Ou alors qu'on ait les deux straps dans la même voiture. Non, faut pas ça justement. Et ça, c'est chiant parce que c'est pas le bon move non plus. Là, normalement, avec les. Dès qu'on a récupéré les 300 têtes là, on récupère encore un strap, voire deux normalement. Moi là, Raphaël, t'as vu, lui, il s'occupait du Glock et moi, je conduisais. Je vais aller chercher après. Je crois qu'il s'est calmé, là. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Ah, ça va vite, les histoires d'amour, là, avec vous. Mais, tu vois ce que tu m'as dit, là, comme quoi il se méfie? Ouais. Eh ben, ils lui ont dit pareil. Je te montre le papier. Ah, ça, c'est le truc qui me casse les couilles, c'est ce genre de truc, mais ouais. Du coup. Rien. Ah! T'as compris? Donc, ok. En vrai, avec ou sans lui, ça aurait rien changé apparemment. Okay, là, le truc, c'est que soit on a les couilles de s'affronter à un gang, moi je suis chaud, tu vois. Moi je suis chaud aussi, hein, ça me dérange pas, mais le truc, c'est qu'on a deux straps, donc va falloir qu'on attrape le bon au bon moment, tu vois. Faut traîner ensemble pas trop loin, genre si toi tu vas par exemple un truc tout bête, hein. Si tu vas je sais pas à l'aéroport, moi je vais à la casse. Pour tu l'instant, personne se méfie de nous, c'est ça qui est bien, tu vois. On a un gros point fort pour nous, c'est ça. Les BV ils vendent où eux? Ils sont dans le nord, tout le temps dans le nord. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont dans le nord. Et on sait pas à quoi tous y ressemblent. En fait, j'ai vu une meuf, je sais plus comment elle s'appelle, elle avait une oracle. Ils se ressemblent tous en plus là-dedans. Mais en fait, c'est ça, en fait, ça me fait chier d'aller voir un mec qui dirait tu viens d'où? Ça pue sa merde. Et après, tu le braques et salut. Leur donner un rendez-vous, ça pue sa merde. Non, moi, je fais pas ça. Ouais, moi non plus. Des idées, les Hermano? Vas-y, moi, je vais au quartier. Là, c'est compliqué, hein. Vas-y. Reviens ici, au pire. Ou au pire, on va au quartier, comme ça, on discute avec lui aussi. Ouais, c'est vraiment complexe, en fait. On aurait deux straps en plus, déjà, ça serait un peu mieux. C'est quoi, je vais passer voir les Wu. Je vais leur demander déjà s'il a les munitions qu'il m'avait promis. Après, tranquillo, on n'est pas obligé de le faire à l'instant T, on peut faire autre chose et décider... Non, j'ai envie de chasser, j'ai la dalle aussi, Armano, je te mens pas. Mais je vais faire les choses correctement... Ouais, t'es qui? C'est Lorenzo. Putain, mais viens pas comme ça en mode brosson, je fais te rafaler, frère. Mais je suis arrivé tranquillo, je me suis garé. Mais justement, c'est quand t'arrives tranquillo et tu te gardes comme ça que je me méfie encore plus. Ok, bah la prochaine fois, je rentre à fond dans la pompe ouais. À essence. Ouais, dis-moi, quoi? Est-ce que t'as bien? Ouais, toi hein. Deux choses, ouais. Est-ce que les 300 têtes, tu vas les avoir? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les trucs ce soir? Comme ça, je peux me mettre vraiment en mode Tony Montana. Ouais. Et si t'as la boîte de celui que tu m'as laissé la dernière fois? Au cas où. Oui, maintenant. Boîte 22h30, ok? Ok. Bah, il est 22h40, fais gaffe. Bah, ouais, bah, j'attends. J'attends, ok? Ok, l'autre, c'est dans le coffre, c'est ça? C'est-à-dire? Non, il faut que j'aille les mettre encore, frérot. Écoute, dès que le gars il m'a appelé, je te fous ça tout de suite. Vas-y, okay carré, vas-y, bien vu. Allez, bien vu. T'as donné rendez-vous pour le passé. Oh putain. Ah, pardon. Non, il y a le même humour qu'elle, bordel. Il t'a donné rendez-vous pour passer. Bordel, hein, on a le même humour. On a dit la même chose, on a dit en gros, il t'a donné rendez-vous dans le passé. Oh, ah, pas, oui. Tu m'aimes trop, tu me copies.
pince. Toi, t'es ma copie. Ah, y'a pince, tu m'aimes trop. On va leur montrer, je crois. Je vais t'aider, hein. C'était bien, les gars? Oh, ça va, toi, boy. Belle voiture, hein. Gracias. Vous avez eu un problème? Vous avez foncé dans le mur? Non, 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 des gars qui savent pas conduire, je te mens pas. Ah ouais? Ouais, mais tranquille, ça va être vite réglé. Ok, vas-y, c'est bien. Buenas. Tu t'es arrêté, merci. J'ai vérifié que c'était pas des c'est bébés. Qui, eux? Je sais pas, je pensais que c'était des bébés. C'est pas des orphelins? Elias, je sais pas du tout. Moi, je connais pas le son ici. Je connais pas non plus. Orphelins, ils sont trop discrets. Comment tu vas? Je connais la meuf avec ses couettes et un mec de chez eux, c'est tout. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on en connaît pas beaucoup. Ah merde, j'ai dit que j'allais au quartier. Après, vous avez le galdé sur Twitter? Souvent, les gens, ils mettent des trucs sur Twitter d'eux et ouais. Du coup, on peut voir ouais, les têtes. Faut regarder, hein. Faudrait qu'il aille remettre une prod en route en vrai. Longo stress. Je vais lui envoyer un message, L13 vers Playa. Salut Liline. Ou requin. Tu devais pas le rejoindre au quartier? J'y vais. Mais seule blanche, grise, bande blanche. Je suis allé au quartier, les récupérer. Bon. C'est pas les L13 ça? Si, c'était la les L13. Et bah viens, on les chasse avec eux, non? Vas-y. Ouais, Nae. Oh là. Ça va et toi? Un petit peu, pourquoi? Rien pour l'instant, Babou, on chasse les gens. Je suis mécano. Oui, un petit peu, mais il peut pas recruter pour le moment. C'est pas moi qui recrute déjà. Et le gars il peut pas recruter non plus qui est là pour l'instant, les patrons sont pas là. Ouais. Ok bah écoute, au pire dès que je sais qu'il peut recruter je t'appelle. Ouais à ce moment là qu'il m'a envoyé un message direct. Vas-y bien vu. Et c'est à bien. Comment tu vas, Pika? Il y a une voiture là-bas. Je sais pas c'est qui. Hein. C'est qui en la fait, jupe, c'est ça là le problème. Tu veux péter des gens, mais on connaît personne. Bah, on en connaît quelques-uns, mais je les connais pas tous. Le problème, en fait. C'est que voilà, tu veux péter des on gens de façon aléatoire. Les coachés, on connaît pas tous les gens. Ah non Oui, voilà, c'est ça. Moi, je péterai les gens que je reconnais. Je vais pas oui, mais tu as compris quoi. Pourquoi il dit ça. Oui. C'était qui la jugu? Je sais pas. Mais moi, je veux ça va, super, merci. T'as passé une bonne journée? La grise avec les bandes blanches. Ouais, pour chasser un véhicule rouge, justement, le véhicule de requin. Ah, elle chassait là? Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit, on y va en fond de balle, mais je sais pas où ils sont partis, je les ai perdus. T'es sûr que c'était la voiture de la requin? Oh, persuadé. Je vais appeler requin, je vais lui demander. Bah s'il conduit, c'est compliqué. T'inquiète, tu connais, hein. Moi, lui, c'est lui qui se faisait chasser. Ouais. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai de la musique un peu douce, ouais, un peu c'est piano, toi qui un peu sad, chasser c'est parce que t'es vers où? C'est avec le mood du personnage. Ah, ok, parce qu'on a voulu aller appuyer le truc. Une voiture grise avec des bandes blanches. Ah putain, nous on a vu une voiture grise avec des bandes blanches, ça c'est une voiture rouge et on est quasiment sûr que c'est des L13 à l'intérieur. Ok, ok, bah vas-y. Tiens, nous,
Ils sont déjà en train de lui niquer sa merde. Ah bah tu vois. Putain merde. Mais bon t'es trop bête, t'as vu c'était... Non, c'était free récompense là. Ouais ouais, c'est bien. Putain, j'ai trop le seum. Tranquillo, on vient à peine c'est de démarrer. C'est qui à gauche là? Où ça? Gauche. Ah le véhicule là-bas là, je sais pas. Il y a deux personnes. C'est voilà. Vas-y va là-bas, je demande ça vient d'où. C'est moi bien. Il va très bien et toi? C'est un tout petit peu occupé. Ça c'est une policière et une médecin, elles se sont mariées. Donc ils étaient là-bas. C'est... Tu fais quoi là, hermano? Ah. Incroyable. Si, dis-moi. Après, en général, quand tu roules en jugular, c'est que tu touches plus que de la weed. Hein. Ok. Y a deux questions alors. Tu fournis le matériel et combien ça rapporte? Ah, tu rembourses. D'accord. D'accord. Tu en veux combien? Si, tu en veux combien? Faites ça. Oui, mais après, il faut que tu détermines combien tu en veux partout. Par virement en plus, d'accord. Ou bien. Bah écoute, je ferai ça, je te ferai d'abord une devis et je te tiens au courant, d'accord? Ça te va. Et je vais te faire une devis parce que je dois aller sur place, une expertise. Tu veux que sur Caillou seulement? Si, d'accord. Effacer, je sais pas si je pourrais. Oui. Ok, d'accord. Bah, je te tiendrai au courant, d'accord? C'est quoi ça? Ça, il y a les où dedans. Ça marche. On se tient au courant alors. Ça marche? Vas-y, je te laisse. Vas-y. Ciao. Si, d'accord, pas de problème. Elle traîne devant moi. Merci, toi aussi. Ouais. J'ai un Huntley pas loin aussi que j'étais en train de suivre. Vas-y, je te rejoins. Trois voitures. Ah ouais, c'est chaud, trois voitures. L'air, non, je te mens pas. Carwash Family, tu m'as dit. Ah mais non, Carwash. Ouais, ouais, je me doute, je les ai vus, ils étaient au cul des où. En fait, faudrait avoir une coachée solo, mais à mon avis, ils sont tous pétardés. Une autre voiture grise qui n'a rien à voir. Attends, deux secondes, je te mets en parleur pour que tout le monde entende. Je vais mettre un haut-parleur aussi. Ok. Non, la suite, elle est passée vers. Elle continue vers. Elle va vers Vinewood depuis Wardog. Attends deux secondes. Ouais. T'as dit quoi? C'est l'arrestation la plus improbable que j'aurais vue. Improbable. Va te faire foutre! Toi, on conduit bien avant que je vous contraventionne. Je vais te contraventionner ta. Oh non. Tu es trop con, la vie de ma mère, tu es trop con. Ça va, il rigole! Ah, vraiment. Non, il parlait de moi, monsieur. Non, s'il vous plaît, les beaux gosses. $501, mettez $501. Voilà, tu es trop con. Mais non. Allez, bonne contravention, monsieur. À plus tard. Hein. Buenas. Ma mère, elle est buenas. Hein. Voilà. Non, t'as fait niquer jusqu'au bout. Nacré bleu, c'est pas les où, non, c'est les L13. Il m'a pas amendé, Armando. On ne travaille avec personne. Oh.
Ouais, bah oublie, oublie, décale si, si c'est galère pour toi. Au pire, là, on sait que les L13 sont que des ou, on va focus les BV, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est, on va faire ça. J'ai remis le haut-parleur ou pas? Non. Je suis grave organisée dans ma vie. Merci Eclipsia, merci beaucoup. Pourquoi t'es désorganisée dans la vie? On va te laisser moi ref, on a des trucs à faire. Vas-y, faites gaffe, hein, les poyos ça tourne. Vas-y. En fait, là, ce qui me dérange dans mon RP, c'est que j'ai trop l'impression de revoir le RP que j'ai fait avant. De ce que, ouais, de ce qu'on m'a dit, enfin, de ce qu'on a vu, c'est va être compliqué de les attraper à part si t'arrives à attraper une voiture de sur le côté ou quoi. Ouais, bah ouais, c'est ce que je pense aussi. Hein. Il on tourne va... en Hellfire, Greenwood et Huntley S. Ouais, j'ai vu. Excuse. Il tournait vers. Comment ça s'appelle ce truc de merde? Putain, je m'en rappelle plus des. Tranquille ou quoi, les gars? Ah, tranquille. Sympa la caisse, les boss, hein. Oh, merci, merci, les frères. Ça fait plaisir. Ça dit quoi? Tranquille. Ok, je te rappelle dans 3 secondes. Ça va, ça va. Ça va, les gars, vas-y, les boys. On s'attrape. Tranquille, hein. Il a reconnu les banditos, mais au milieu, je sais pas c'est qui. LK au milieu. D'accord. LTD Sud, t'as... Ah non, c'est... Ouais. T'es... Ça va? Vas-y, on va aller tourner au niveau de la playa, non? Non, non, non. Oh. Ah non, des bandidos, on les a croisés aussi. On tourne à peu près au même endroit. Vas-y, moi, je vais aller Playa. Je vais aller voir ce qui se passe à Playa. Ouais, mais... Hermano, les L13, on pourra rien faire. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vas-y, vas-y. Une seule voiture? Combien de personnes d'abord? Ah bah oui, bah deux c'est bon, on a deux pétards, ils ont deux pétards, il y a nos gars. Ah bah au pire, ils auront pas le temps de faire arrêter le Huntley hein, si on tape avant. Je m'engage autoroute. Pillbox, tu m'as dit? RDS en pillbox? Vas-y, je suis à pillbox. Je me gare et je l'attrape. Ah, mais attends, de quel côté RDS? Il redescend. Super. Oui, je l'ai reçu. Je suis plus autant hype avec Lucia depuis qu'elle est sur LS perso. Bah, les frères, je viens de voir le Hunt les passer à fond de balle. Honnêtement, moi non plus. Derrière pillbox. Remonte oh, autoroute. Putain. Bourbier, les frères. Ah mais le Huntley, ouais, ouais, mais oui. J'avais oublié de remettre le haut-parleur, fallait me dire les gars. Ouais. Dans deux minutes. Mais là on est en train de faire ça, on est pas masqué, faut vraiment qu'on... Tu vois mais par exemple là les pour LK, l'instant, on a... mais pour l'instant, on va on a avoir pas... des problèmes directs si on les pète comme ça, tu vois. Maintenant ils ont vu notre tête, ils savent que je c'est nous. Je pose sa question en mode j'ai pas vu. En mode et on va pas être masqué tout le long, on va se taper les poyos sur la gueule. Les L13, bon j'en fous qu'ils sachent que c'est nous. Mm-hmm. Moi on m'a payé pour ça, c'est la street. En fait là on demain, retourne dans le... on retourne entre guillemets dans le RP qu'on connaît déjà quoi. Ok, okay regarde, je vais t'expliquer Lorenzo. Soit on a pas peur d'y aller, on y va. Le L13 vient de redescendre plein de balles. Écoute, écoute. Soit on y va et on... dans tous les cas je pense qu'on en pourra en choper un. Juste, il faut assumer les conséquences derrière s'ils veulent en répliquer. Et je pense pas qu'on est en capacité de faire ça. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, on fait quoi? On reste au quartier, on joue au bi? Ouais, mais
Ouais, j'allais dire, fais venir des gens du pays et monte en gang, voilà. Ouais, ouais, il sait bien, Ramalo. Tranquilo, ce qu'on va faire, c'est. On va essayer d'attraper un. Si on me dit A ou B, je dis, hey, moi, mandaté pour ça. Mandate-moi pour attraper un rouge, je mandate, tu mandates, tu vois. À toi de voir si tu veux qu'on les pète, on peut tenter. Sinon, on tente BV. Oui, on lâche L13, on tente BV. VV, sans quoi, moi, je suis pas chaud pour les L13, je t'avoue. On a déjà l'info d'une meuf avec des cheveux un peu bleus, non? Je préfère les BV, tu vois. Ouais, cheveux bleus en oracle blanche. Bah, go dans le nord, les BV, de toute façon, on a rien contre... Les BV contre sont eux. Très très reconnaissables. Vas-y, bah, vas-y monte dans le nord, ça m'a l'air d'être. Vas-y, je monte aussi dans le nord. Vas-y, on fait l'essentiel en arrive. J'en mettrai là-haut, moi, comme ça, je serai bien pour redescendre au cas où. Vas-y. Putain, vous êtes bien silencieux tous les deux. Je vous trouve très silencieux. Ah bon? Ah, vous restez au téléphone. Si on se met en parler voilà, en même temps aussi, trop... c'est compliqué. Ah, mais si je mets le haut-parleur, c'est pour que vous entendiez quand est-ce que vous pouvez parler. Après, il était dit, moi, je préfère les BV. Et on les reconnaît à quoi, les BV, là? Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est eux qui ont une veste avec un truc bleu derrière. Non? Non, toi, tu confonds avec les Diamond Dogs. Ah, les motards. Là, je te parle des Black Vanguard, non? En plus, là, vraiment, aller là, dans le nord, ça permettra aussi de voir peut-être un orphelin. Peut-être, tu vois. Ouais, ouais. C'est jamais. Sans pour autant les chercher, tu vois. Quel temps pourri. On est vraiment en or. Elle fait quoi, Sophia? Elle dort? Trabajo. D'accord. Et ouais, je suis d'accord avec vous, les frères. El trabajo a mort. Si vous voulez, on peut lancer des petits débats pour rendre la soirée plus amusante. Mais ouais, en fait, là, j'ai l'impression de retourner dans le RP Morning. Dans le... Bah, en fait, dans tous les RP... Pas gang, parce que gang, on faisait plus de choses, mais... Ouais, ce que je veux dire. Tous les RPPF qu'on a fait, quoi. Et j'avais changé de projet pour avoir un projet ouais, qui après, change. Comme et là, j'ai l'impression de retourner dans le projet qui... En fait, soit on s'allie à quelqu'un, soit on se... on déménage, déjà... on habite. Entre guillemets, on est les petites chèques. Qui change pas, quoi. Soit on retourne sur Caillou, soit on garde notre indépendance tout seul. Chaque... Vous, vous préférez quoi? C'est quoi la meilleure pour vous, personnellement? Moi, je sais ce que je veux déjà, mais vous, c'est quoi? Moi, ce que j'aimerais, c'est retourner vivre à Caillou et avoir notre indépendance. Mais ça, pour l'instant, c'est impossible. Avec c'est pas la... possible, donc. Avec qu'est-ce, la voix qui... qu'est-ce que tu as comme autre choix? Plausible, bien évidemment. Autre choix possible, les TKS, mais les TKS, c'est une mort rassurée avant la fin de semaine. Non, tu es trop défaitiste. Non, non, Romano, trop pessimiste. En fait, ils sont tellement à un stade avancé de leur guerre que... On nous l'a dit, le mec. Hein. On nous l'a dit, hein. Nous, ça y est, c'est la guerre. Donc, si c'est déjà ça, la guerre, tu vois. Et nous, avec nos deux pétards, on va aller attraper des 777. Mais en fait, le truc, c'est qu'eux pourront nous fournir des trucs. On pourra faire des trucs non, pour, non, eux, pour non, en avoir. Non. Ils vont... Oui, mais oui, on pourra faire des trucs pour en avoir. Mais oui, eux aussi en ont besoin. S'ils sont en guerre, ils ne vont pas nous donner ou pas nous vendre. Tu peux pas savoir ce qu'ils ont. Tu peux pas savoir. En fait, pour moi, dans tous les cas, il faut avoir une conversation avec eux, obligatoire. Oui, mais ça ne changera pas le problème qu'on ne s'alliera pas à eux pour cette guerre-là, Hermano. On ne peut pas s'allier à eux. Ouais, franchement, je t'avoue, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, écoute bien, mais on ne peut pas s'allier à eux, Hermano. Oui, d'accord, mais je n'ai jamais demandé de faire une alliance avec eux. Après, moi, personnellement, je me verrais mal leur refuser mon aide, enfin, dire non à mon aide alors qu'ils ont quand même aidé. Demain, ils me mandatent pour faire un truc, oui. Mais demain, on s'allie à eux pour cette guerre, c'est pas possible. Non, on va pas dire dans la rue, on va pas dire dans la rue, oui, nous... Les Los Teques. Oui, oui, c'est clair, on va pas faire ça, mais je veux dire, c'est pas... Je me vois mal ne pas leur apporter mon aide. S'il y a des gens avec qui je dois me rapprocher le plus, je suis désolé, c'est eux. Personne d'autre.
C'est eux. Oui. En premier lieu, c'est avec eux qu'on doit faire les choses. Sauf que leur situation à eux nous met dans la merde à nous, là, actuellement. Enfin, ouais, si mais le problème, c'est que leur problème. Ah, mais eux, ils ont des aussi, étaient aussi nos problèmes. Donc, non, on est les mieux placés c'est... pour comprendre. Non, oui, je veux dire. C'est autre chose. Tu mélanges les deux stories, Arjun. Oui, peut-être, mais c'est les mêmes ennemis. Donc, à partir de là. Notre haine est encore là. Moi, il y a encore la haine, je vous avoue. Mais Hermano, bien sûr, c'est normal. Mais nous, on n'a pas, on peut pas se mesurer à eux. Ah, en fait, regardez, pour que moi, je te le dise, Alejandro, c'est que... Et même Blacky, c'est qu'on peut pas... En fait, sur le moment, on peut en péter un ou deux, mais s'ils décident de faire des répliqueurs, des répercussions, non, ça passe. Non, on parle pas de ça. On parle d'autre chose. Ah, okay. Il parle des 777, mais c'est encore pire. Ah oui, bah allez, c'est pire. J'ai jamais dit qu'on allait s'en prendre à eux, en fait. Mais en fait, à partir du moment où tu... Mais parce que, écoute-moi, Hermano, c'est à partir du moment où tu fais le moindre move, quel que soit, avec les TKS contre leur mouvement à eux, t'es considéré pour eux comme un ennemi et ils vont t'abattre. Derrière, milieu. Les deux voitures. Vas-y, venez en bête, au pire, il dit que sa mère est... Attention, la voiture, elle est speed. Hein? Une voiture récupérer d'abord la contravention. Quelle contravention? Tu t'as amendé, tu dois payer, je crois. Et je fais comment? Tu payes. Oh le bâtard! Paye ta facture. Il m'a mis sur la. Oh le bâtard! Sur la contravention, il m'a mis couleur horrible. En raison. Moi, ils sont où? Je les ai pas vus partir. Vous les avez partir quelque part ou pas? Ils sont partis là où tu vas, mais... Ok. Tu la route, hein. Dans la street. C'est qui ça? Ah mais je crois que c'est... Oui mais parce que on se retrouve à être toujours à 3 et à croiser plus personne. C'est qui là? Ah c'est les Wu. Putain. C'est les Wu. C'est Lorenzo et son équipe. C'est vous les voitures en vert tous, maintenant. On est tous voiture en terrain c'est chasse. Ouais. Voiture verte kaki, c'est nous. Comme ça, tu sais. Vous chassez qui, là? Les mêmes que vous. Ah, ouais, ok, bon, on est en bleu sang, quoi. Ouais. Vas-y, c'est bon à savoir, les frères. Vas-y, à toutes. Vas-y. T'as dit quoi? Tiens, mauvais bail pour eux. La Sultane et la Félone, apparemment, la Félone, c'est peut-être les Wu. Félone, Wu, il y a les Wu qui sont sur place. Après, la... Est-ce qu'ils avaient une Sultane tout à l'heure, les Wu? Appelle-le, tu lui dis c'est la Sultane, sinon on la pète, nique sa grand-mère. Attends, je vais lui demander, putain, ils sont juste devant nous. Vas-y. Attends, je bombarde, là, j'essaie de les rattraper. Bon, elle m'a dit qu'elle pouvait pas, malheureusement. Bon, j'ai failli top card le Koyos. Ils sont où les gars? Ils sont là en face. Ouh! T'as la droite là? Putain, mais en fait, on est en train de. J'ai mal au crâne à Paletto, je sais pas vous. Ah, pas du tout, moi. Ah ouais? Ouais. Attends, je suis à côté d'eux. Ouais, tranquillement. Ça vient d'où? Ça vient de Paletto de base. Ah, moi je suis bien là. Ouais, ta gueule, Logan. Ah, c'est ah, Logan, bon, bah, le concessionnaire. Eh les gars, ouais. Vous avez une Sultane avec vous ou pas? Ouais. Oui. Oh, grise? Oui. Non, elle est noire. Elle est noire? Ouais, okay. Frère. Gracias. Ouais, c'est eux? C'est une Sultane noire qu'ils ont. Vas-y, c'est bon. Vas-y. De toute façon, ils savent nos voitures. Ouais, non, t'inquiète. On se marre moins parce que, oui, du coup, on se marre moins parce que, au lieu de croiser tous les gens de Caillou qu'on connaît, etc., etc., et puis on n'est plus avec les gens qu'on a l'habitude de jouer aussi. Taper des barres toujours avec un groupe de 15. Déjà, on se retrouve avec un groupe de 5, 6, 7 max. Déjà, c'est plus compliqué. Ouais. En plus, la moitié, je les connais pas. Ça vient d'où? Ça vient de la route, Hermano, tu sais. Et toi, ça vient d'où, le Poyos? Ça vient du PDS. Du PDS, aïe. Ça rigole pas, les Poyos, hein. Ouais, faites attention à vous. Ouais, toi aussi, fais attention à toi.
Penumbra qui a passé. Et du coup, bah, forcément, on passe une soirée à faire d'autres choses. C'est qu'on a qu'un seul. C'est différent en fait, le mood est différent et ça plaît moins forcément. Il tourne à droite, hein. Pour ça, si déjà, je voulais plus faire de projet PF de base. Vous envoyez une pause au gars et en vrai, là, j'ai prolongé le projet de Lucia parce que je voulais vous faire une suite, vous avez kiffé le perso. Je vais discuter normal et il faut au moins qu'il y ait une deuxième pause. Mais je pense que je vais la refaire partir à Caillou, moi. Putain, mais il va faire que ça, vraiment. Oui, je pense qu'il a capté. Je pense qu'il a capté qu'on va le péter. Ah, mais tu retournes pas chez toi. Il va pas retourner, il va faire que tourner. Après, s'il tourne en long, il essaye de voir si tu le suis, justement. Oui, voilà. C'est la technique du carré. Ah ouais, non mais droite, 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 je connais, t'inquiète. Hein. La tête qui est carrée, Lucia. Je ne dirai rien. Pourquoi tu ne dirais rien? Bah parce que j'ai une très belle tête carrée. Ah. En quelques secondes, je vais raconter ma vie, mais genre, la tête, je viens de faire une petite crise d'angoisse. Y a pas de soucis, Emeline, t'inquiète. Te prends pas la tête, souffle un coup, et d'ici une semaine, cette dispute, elle sera derrière toi, tu y penseras plus, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le faire? Ouais. Ouais, c'est comment de votre côté? Je suis en train de redescendre sud, voir toujours si on voit quelque chose. Parce que nord, y'a rien. On redescend sud, bah ouais, les orphelins sont dans leur quartier, si j'ai compris. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. Et les orphelins, ils sont chez eux, on est d'accord, hein? Ouais. Vas-y. Sans y aller où dans le nord? Ouais, ouais, c'est ça. C'est, en fait, si on est trop d'équipes à tourner là-haut, ça sert à rien. Ouais. Vas-y, bah. Vas-y, je redescends. Qu'est-ce qu'il me veut, Ricky? Il me parle de mariage, je sais pas trop quoi. Il me dit, il y a un mariage, c'est où là? Je suis même pas au courant. Si, dis-moi. Il n'a pas répondu. Quoi? Non, un petit peu comme ça, mais tu connais. Hein, si tu m'appelles peu importe quelle heure, tu vas me déranger, mais dis-moi. Nah, t'es pire que toi aussi, t'es trop un ministre. C'est je, Hermano, demande à qui tu veux, mon téléphone, il arrête pas de sonner de la soirée. T'as bien vu, t'as essayé de m'appeler, j'étais en communication. Je vois, t'es un ministre de l'intérieur. Hermano, voilà. Dis-moi, tu connais quelqu'un? Je dois prendre quelques photos. Si tu connais une photographe ou quelqu'un qui serait chaud à me prendre en photo, je le paye, ouais, bien sûr. Et deuxième chose, là, je suis en train de faire des flyers, tout ça. Mais je voulais en faire aussi par une deuxième personne en mode carte de visite. Donc si tu connais quelqu'un, pareil, je le rémunère. S'il peut me faire ça. En imprimé, juste en imprimé ou... Non, me créer, carrément créer un flyer. C'est pas le mien, c'est celui à mon frère. Avec un deal. Tu sais, avec truc, machin, vous payez combien? Une image de moi. Ça dépend, Hermano, ça dépend c'est quoi ton prix. Si tu m'assassines ou pas. J'en sais rien, Hermano. Au pire, envoie-moi tes idées et je vois si je suis capable de te faire ça et combien de temps ça me prendrait. Vas-y, ça va, je t'envoie ça, Hermano. Vas-y, mon gosse. À toutes. À toutes. Moi, je vais vous dire quelque chose, d'accord? Oui, je vas-y. Sais, j'ai reconnu. Mon rêve, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mon rêve. Enfin, je m'en suis douté. On fait passer Ricky Mère et on l'assassine sa grand-mère. C'est mon rêve. Mais toujours en vie, ce connard? Oui, c'est mon rêve, on le fait passer mère, on lui tue sa mère. Tu sais que... J'avais envie de faire la même chose. Voilà, c'est mon rêve, je vous jure. Qu'il soit heureux un jour. Ouais. Tu sais que j'aurais pu t'éclater. Pour aller. Miam, pète-moi le fiac. C'est ce qu'il voulait, hein. J'attendais que tu me pètes le fiac, Hermano. Ah ouais, bah alors là, bon, fallait pas le dire. Quoi? Ah, wow ah. Arrête Moi j'y vais, moi. Vas-y, c'est chaud de péter, hein, je peux m'en voir. Ouais, c'est chaud dans le nord, c'est chaud de ouf. En fait, depuis tout à l'heure, c'est ce que j'essaye de faire, moi. Dis-moi. En mode, t'as vu, les ouïes se font chasser. Ouais. Sans, mais vraiment sans faire exprès, tu me connais, hein. C'est vraiment sans c'est faire exprès, vraiment... je m'en demande des autres. Sans faire exprès, hein, vraiment. Mais vraiment, je défonce le cul d'Elteris, tu vois ou quoi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, le truc, c'est que moi, d'ailleurs, je vais me faire braquer, mais bon, nique ça. Ah bah là, on est mort.
Ah, tant pis. Yes. BV serait. BV c'est dans le nord, mais là je te vois pas, j'ai vu personne. Y'a personne, y'a personne, ouais. Les orphelins, ils sont massifs, hein. Ils sont chez eux? Ouais. Alors, je sais pas si c'est un petit groupe de potes ou un gang, mais ils sont très c'est très. C'est qui très qui redescend là? Go. Je sais pas. Allez-y. C'était une sultane, je pense que c'est. Peut-être les Wu. C'est ici. Ouais, orphelins, tous chez eux, ils sont massifs dans leur quartier. Voilà. J'ai un trophy truck sur l'autoroute et une Buffalo H. De toute façon, toutes mes coachées, elles sont vert kaki. Possible. Possible. Ah, t'es devant moi là? Tut-tut, fils de pute. Tut-tut, fils de pute. Ah, bordel, trop drôle. Bon, vas-y, moi je continue de chasser là. Mais vas-y, ils dorment tous les gens. C'est une galère. Putain, bah nous c'est pas le cas, là on a 3 gangs sur la gueule. Mais je sais, BV, L13 et Orphelin, c'est eux que je suis en train de chasser aussi. Ah ouais. Bah oui, tiens, Jim, bip, bip, fils de pute. Mais vas-y, fonce dans le mur, le bâtard. Vas-y, force. Va chercher à manger que je te braque. Vas-y. Bâtard. C'est ce genre de personne qui rigole avec les gens puis raccroche les insultes. C'est moi qui ai raccroché. Oui, tu insultes. Ah ouais, j'ai dit après, ouais. C'est qui ça? Je sais pas. Pourquoi les gens ils ont tous peur dès qu'ils ont une voiture au cul? Pour les papas, si t'avais une voiture au cul. Je vais décrocher. C'est qui ça qui habite là, là? Ouais, les gars. Ouais. Si, c'est... Ça va ou quoi? Tranquille, vous? Ça vit là? Comme ça. Ah, ouais, ouais, carrément. C'est ça fait longtemps? C'est l'étoile. Bah oui. Ah, mais c'est l'étoile. C'est ça. Ok. Mais c'est qui, ça? HCP. HCP. On habite à côté de... Burger Shot. Ouais, ouais. Putain, mais c'est vous, mon ami, j'essaie de venir vous voir bien tard, le mec. Faut qu'on parle avec un. Bah ouais, mais j'ai un numéro de chez toi en plus, je crois. T'as un numéro de Tiki, sûrement ma dog, faut que tu reprennes un autre numéro. Je sais pas, j'en ai deux. Prends le 7634. J'ai mais ça au nom de SP. 7634 Ouais, ouais, ouais. Mais ça au nom de SP, deux lettres. SP, vas-y. Vas-y, ça marche, les gars. Vas-y, les gars, on se capte dans la soirée, ce jeu. J'envoie juste un message à ton gars, histoire qu'il ait le numéro. Vas-y, les gars. Vas-y, ça marche, les gars. Vas-y, à tout à l'heure. Je pensais que c'était un nouveau... Attends, il conduit, il glisse trop le machin, je peux pas le conduire. Va te faire enculer, Ricky. Toi aussi, enculo. Bonne nuit, Perrine. On va aller faire un tour fête foraine. Faut pas oublier que fête foraine, c'est notre inté aussi, les gars. Si, j'ai jamais des coups de pression de moi avant-hier. J'étais tout seul, je vous jure, j'ai mis des coups de pression à deux mecs. Moi j'attrape les gens, c'est. Filme-moi ce que t'as et. Ouais, Gab. T'as combien sur toi? Il m'a dit non, y'a que ça et tout. J'ai dit vas-y. Départ d'ici, sinon il te prend tout. Il est parti. Ouais. Bah en fait, je suis pareil la première fois. Deuxième fois, je lui prends la moitié. Wow! Il s'est passé quoi? J'ai bien fait de les amender, ceux-là. Bordel. Putain, c'est j'ai bien fait de les amender, mais vous vous trouvez normal là, dans le sens de la route? J'ai. Hermano, il y a vu black, noir, trou noir, tout ce black, que tu veux. Noir, oui. Mais moi, les blacks, vous savez ce que j'aime faire? Raciste. Eh ben, on est pareil, hein, Orlando. Je les amende. Voilà, voilà, Orlando. Circuler, roulez bien. Si, si, buenas. Il roulait pas en panto, fils de pute? Oui, il y a une dinguerie ou... Oui. Salut Tsuki. Il n'est pas touché? Pour moi, non. Ok.
En fait, l'espace d'un instant, j'ai eu une absence. Et vu que la voiture est nickel, il me demandait s'il avait tapé. Oh, ciao. Tu fais ? Ouais, ouais. Ça fait quoi, là ? Ça fait quoi ? Ça se promène. Pourquoi ? Tu marches avec qui, toi ? Comment ça, je marche avec qui ? Bah, tu marches avec qui, Armano ? Je marche tout seul. Qu'est-ce que tu me racontes ? Range ton téléphone, Armano. Allô ? Allô ? Range ton téléphone, je te demandais. Eh, hey, pourquoi tu me menaces ? Oui, c'est pas Cos Cortez. Attendez, j'ai jamais un avis dit qu'il me menace là face à moi. Raccroche ton téléphone, raccroche ton téléphone. Du coup, je vais raccrocher, ok ? Voilà, gracias. Vas-y, dis-moi. Tu vis où, toi ? Je vis à Rancho, pourquoi ? Ah, mais t'es... Bah, dis-le direct, Hermano ! Bordel. Ton réfé nous a demandé de contrôler leur rinté, donc il contrôle. Mais c'est mon raté, j'en ai dessus, pas de bah, problème. Il on savait pas comment, c'est pas écrit sur ton front, je suis un Latin King. Non, tranquille, j'aime pas les personnes qui viennent me demander c'est qui là que j'ai en face de moi. Lorenzo, l'HCP. Ah, ok, tranquillo, les gars, pas de problème. Bah ouais, non, putain. C'est je lui ai envoyé un message, mais elle me répond pas. Non, hey, je vous dis vraiment, je vous fais passer l'information, ok. Mmh. Là, en ce moment, on a trop titillé les couilles aux flics. Du coup, okay. On a besoin de faire masse plata. Okay. Il y a des Latin Kicks sur tous les terrains de vente à l'heure où je vous parle. Non, pas de galère. Donc, vous allez trouver partout. Quand je vous dis sur tous les terrains, on est beaucoup à vendre sur toute la ville. Voilà, ça vient. Non, ça vient, pas de galère. Mais moi, vu que ici, vous m'avez donné, entre guillemets, la gérance pour faire surveiller ce qui se passe. Tu sais très bien, nous, d'habitude, c'est parce que là, on a vraiment besoin de beaucoup de plata. Vas-y, c'est chez vous, de toute façon, Hermano. Je te mens pas que... Non, mais je sais très bien. Mais au moins, tu sais que t'as une plage, fête forêt, une université, il y a du monde. On est là ce soir. Vas-y, carré. Ça marche. Vas-y, bon, on vous laisse trabajer tranquille. Vas-y, là, oui. C'est le juge là qui m'a appelé en plus, putain. J'ai une évaluation jeudi, j'ai pas révisé toutes les vacances. Ça va le faire. Une chance sur combien pour qu'on tombe sur eux ? En toi. Oui, je pense que c'était sûr. Ah ouais ? Je t'avoue que lui, je l'avais jamais vu chez l'ALK. Pourtant, l'ALK, c'est ce que je connais le plus avec les Wu. En vrai, il y a un monde où on se masquait, on prenait une tour et qu'on les pétait. Hein. Je te mens pas que LK est... C'est quoi cette caisse, mon boy ? Le moteur est plus gros que la voiture. Incroyable. Toi, tu roulerais là-dedans, que ça m'étonnerait même pas. Et moi ? Ouais. Ben, c'est mieux qu'il y ait un complexe d'infériorité. Qu'est-ce que tu vas dire, Lucia ? Vas-y, je t'écoute. Ah, rien. Allez, parler. Rien. Tu as commencé à vouloir parler là. Il y a entendu non, là. Non, pas du tout. Finis ta phrase. Toujours le petit commentaire pour m'envoyer des petits pics. J'allais dire, elle tirait bien la voiture avec ta chemise. C'est tout. D'accord. Ouais, ça avait encore vanné ma chemise, alors qu'elle est incroyable. J'ai rien dit, j'ai dit qu'elle tirait bien la voiture. Ouais, je te fais un compliment et tu es pas content. Non, mais je pense que tu as raison, j'ai des goûts de merde. Je trouve des choses belles alors qu'elles sont vraiment dégueulasses. C'est toi qui le dis, hein ? Oui. Est-ce que la vie de tout le monde, je pense ? Bah ça, je sais pas. Bon, là, on est vers le parking rouge. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, Hermano. Playa et tout. Ah bah t'es là. Vas-y. Quoi ? Il y a le minivan de Scooby-Doo qui vient de passer. Il y a un chien dedans. Bah normalement non, mais bon. Incroyable. Je connais. Hein. Je vais aller voir quand même. Bordel, il y a Titeuf, Scooby-Doo, c'est quoi la prochaine fois ? Tintin ? Ah ouais ? Tortue Ninja. Bien, on va dans les égouts, on va vérifier. Alors, tu vas dans les égouts, tu vas vérifier et tu m'appelles. Et sur les terrains de vente, Playa, tout ça, tous les terrains de la Thinking, c'est eux qui sont sur leur intérêt, hein, si jamais. Mais c'est quoi le terrain des Black Vanguard ? C'est le Nord, Paleto. Non, Vanwood, ils sont pas là-bas. Franchement, quand vous voulez. Il y a pas de souci. En tout cas, au plaisir de il fait sa campagne électorale, ce cabron. Hola. Votez Ricky, hermano. Votez Ricky. Ça va, vas-y, je raccroche, Raphaël. À toute.
Vas-y, Hermano. N'hésite pas, tu me dis. Attends, attends, mais t'inquiète pas, on en reparlera. A bientôt, mon Hermano. Bisous à Marvin. Votez Ricky, votez Ricky. Oh, tout va où? Vous allez où là? Putain, vous êtes des ministres là. Je bouge pas d'ici maintenant, j'étais croisé. Bah, je fais ça. Je prospecte pour ta campagne électorale. Ricky, c'est quand que tu me passes les clés de la moule? Hermano, viens, viens, on va faire des doubles, bordel. Mais va voir Logan, il est au nord. Il faut faire des doubles. Si, mais c'est trop loin le nord, putain, ça me casse les couilles. Bah, passe-moi les clés, il fait double, je te les rends, d'accord? J'ai besoin dedans. Mais tranquillo, je vais juste faire le double des clés. Après, je te rends. Attends, je regarde si je les ai sur moi. Après, quand tu me diras c'est bon, je te rendrai, je pourrai l'utiliser, d'accord? Vas-y, vas-y, hermano. Tiens, regarde. Si tu veux, regarde. Vas-y, dis-moi. Tiens, je vous prête les clés. Oh, t'es témoin, Lorenzo. Non, moi, il n'y a rien vu. Espèce d'enculé, va bien sûr, t'as très bien vu, je te vois regarder. Il est mieux. Tiens, hermano. Gracias. Tiens, comme ça, trabajo un peu tranquillo. Si. Même vous, hein, si vous voulez trabajo avec. Du moment que c'est Lorenzo, toi, ou la hermana, ou des gens de vous, des gens proches, vous pouvez trabajo avec. Pericogno. Oui, ouais, voilà, t'as compris. Je vais pas faire de conneries avec. Non, mais je vais faire un double et je te donnerai le truc et comme ça. Si, vas-y, je l'ai prévu. C'est 13 là-bas, c'est ça? Ouais. Fais-nous te recontacte. Vas-y, je les préviens. Ah, d'ailleurs, il faudra que. J'ai laissé des cartes à l'arrière. Tu l'as mis où le camion? Tu l'as mis où? Ah, il est pas loin de. En face de. Putain, il faudrait que je te ramène au. Non, non, même pas. Il est en face de la frontière. LTD, voiture seule de L13. Hellfire, la Hellfire. De toute façon, il va pas faire ça maintenant, il va pas te mentir, il va faire ça. Ron, LTD Ron, place des cubes. Elle bouge. Dépêche-toi. J'ai un gars qui va certainement la prendre en charge, je pense. C'est lui qui vient de me donner l'info. Ah bah, je crois que vous êtes derrière moi en plus. Vous êtes station essence? Ouais, bah, vous êtes derrière moi. Ah, y'a peut-être pas de mécano, Hermano. Ah ouais. Ah ouais. Je suis à côté d'un rendez-vous normalement en plus. Les tags aussi. Comme ça on verra. Oui. Ah, t'es dans la merde. Oui, voilà, on s'arrange. Au bien. Gracias, Ricky. Bah ouais. Ciao, ciao. Bientôt. Bah ouais. Si, vas-y, force. Voilà. Tranquille, tranquille. Là, je viens de gratter une clé à 30 000 dollars. Tu sais où elle est la voiture? Oui, à peu près. Il y a une des caisses là, non, c'est trop. Faut plus que ça se tourne autour. Ouais. Il y a tout le convoi là des. Ouais. Ils sont bien à l'aise avec leur voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà. Je sais pas, mais ils sont massifs en tout cas. Voilà. On arrive dans 10 secondes. Je te rappelle. Venez les gars, venez, suivez-moi. D'accord. Je te rappelle. On va aller. Faut qu'on aille au mécano. On sécure le mécano. Il y a du monde ici. Ça va ou quoi les boys? Wow. Ah, moi voilà, c'est Lorenzo. Ouais, c'est une réunion, okay. C'est comment là? C'est que pour les petits ou quoi? Vas-y, je m'occupe avec toi. Elle a été faite celle-là? Voilà, le goût derrière. Où? J'ai pas vu. Ouais, mon j'ai gars. Pas vu. Vas-y. Je l'ai pas vu passer. Une réparation, c'est comment? Eh oui, hop là. T'inquiète, chacal. Tiens-moi la durite là-bas. T'inquiète. Je te fais ça. De quoi? Attends, y a pas de mécano, les gars, on va. Pourquoi on est venu ici? Ah non, t'as cru. Ça va. Histoire. Il est pas suivi. Tu savais pas, voilà. Je suis capable. Pour le sécuriser. Il est pas avant celui-là? Sécuriser quoi? Non, celui-là, il est pas avant. Viens de l'acheter, t'es fou. Allo? Allo? Si, dis-moi. Je cadrerai la rediff. Vas-y, c'est bien. Voilà, chacal. Vas-y, bien. Bon, bah, tes gars, c'est bon. Oui, c'est bon.
Je suis chez Père, les frères, je suis fatigué. Allez, vas-y. Allez, on coach à l'air. Faites attention, on sort tous du même côté. Alejandro. Hein. Il est où lui? Je crois qu'il est sorti. Oui. Il est au téléphone. On charge des agents depuis tout à l'heure, là, et lui, il sort solo. Il est où, lui? Appelle-le, s'il te plaît. Je crois qu'il est au téléphone, justement. Ouais. Oui, mon cas, oui. Attends, attends deux secondes, je leur dis. T'es où? Ils sont dehors, ils attendent autour, non, les boys, faites gaffe. Hein. Vas-y, dépêche-toi, attends. Il m'appelle, il est juste devant, il est juste devant. Attends. Ah oui, tu es là. T'es au courant. T'as dit quoi? Prends un coup de pression. Bah, ça fait 6 fois qu'on voit derrière nous en train de nous avaler le cul comme ça, t'es au courant. Eh, hey, Romano, calme-toi, il t'arrive quoi là? Parle à qui lui? Bah, à toi, tu menaces mon gars comme ça. Ton gars il nous mange le cul quand on a un bif, les où? Il a pas, on a pas, j'ai pas que ça mais, de m'occuper de mais vous. Mais Romano, c'est pas toi qu'on recherche donc c'est bon, détends-toi. Bah, les couilles, bah, qu'il arrête de nous suivre. Bah, il parle pas mal, on t'a rien fait non plus. Grand. Trop de balles. Okay, Je sais où ils habitent, hein. Je sais où ils habitent. Hein. C'est l'L13, moi je m'en bats les couilles. Hein. Elle est bas, il est où le greffier là? C'est moi. C'est toi le greffier qui, moi, oui, qui vient d'embrouiller mon gars? Oui. Mais détends-toi, Hermano, il t'a rien fait. Non, je lui ai déjà dit 3 fois d'arrêter de nous suivre. Et mais c'est pas toi qu'on cherche, Hermano. Qu'est-ce que mais moi je m'en bats les couilles? Il arrête de nous suivre, on barre nous, il est où? Oui, mais y'a que vous qu'on trouve, mais depuis tout à l'heure je chasse aussi les où sans savoir. C'est pas vous qu'on recherche, les boys. Oui, c'est bien. Ça va, détends-toi aussi. Du coup, vous êtes derrière nous, c'est vrai qu'il essaie d'expliquer en fait. Depuis mais je suis derrière toi et je suis derrière les où? J'ai même pété un Latin King il y a une demi-heure. C'est bien, c'est pas mon dos ça. Bah, c'est pas ton dos. Mais c'est parce que. S'il te plaît, genre, parle calmement vraiment. Bah, je te parle calmement, tu t'harcèles mon gars, bien sûr que ça m'énerve. Non, ça me passe, juste qu'on lui a dit une fois, deux fois. Là, on est un peu chaud parce que vous avez vu avec les où depuis tout à l'heure ça tourne en rond. C'est tout, juste on demande juste d'arrêter de suivre. Là, y a rien c'est de mal. Pas toi, c'est pas toi que je suis, Armand. Mais je le comprends. Mais en fait, ton véhicule, faut qu'il comprenne que depuis tout à l'heure, il est derrière nous. C'est capté, tranquille. Ok, mais dis-le à ton gars, s'il te plaît. Et voilà, c'est tout. Y a pas de soucis. Vas-y. Merci à vous. Tranquille. C'est son gars, il parle mieux que le reste. Je te jure, il est plus mature que son. Vous auriez dû bouger d'ici derrière, les boys. Ah, il m'a cassé les couilles. Ça m'avait pas manqué, ça. Il sort à pied comme ça? Putain, mais ils sont... Eh, les où? Ils sont débiles, frère. Pourquoi ils sortent pas de l'autre côté, ouais? J'ai tempo pour qu'ils sortent de l'autre côté, ils sont restés devant. Mais t'es au courant, ça sert à rien de parler avec eux. Hein. Moi, je parle pas avec eux, moi. Ah, mais je m'en battais les couilles de juste, parler avec eux. Juste, vas-y, donne-moi l'autorisation. Là, tu rentres dedans plein de face, là. Je sais, Armano, mais c'est pas... Vas-y, tranquillo. En fait, là, il a voulu tempo pour une seule raison, pour que les où puissent sortir de l'autre côté. Ah, mais ils vont pas sortir, ils sont trop cons. Bah ouais, mais c'est pour ça que... Ils auraient dû... Moi, je pense qu'on lâche les Wu et on va essayer de revoir Orphelin et BV, si on peut. Bah, veut dire, faut lâcher Orphelin... tout court, enfin, juste là, on va être au milieu, en fait. Orphelin, tu sais déjà, BV, je pense qu'ils sont pas... Ils sont dans leur casa très bien au chaud. Attention, il y a encore l'autre voiture qui arrive, là. Faites 10 pas dinguerie. Laquelle? L'U13. Derrière? Ah ouais. Il a 5 ans, je pète sa mère, la pute, non. Non, ils sont 4. 3, 2... Ah, mais là, en fait, si ça se trouve... Ils ont rien à voir, eux. Il y a un truc devant. Ouais, mais ils sont en train de s'embrouiller devant. Ils doivent croire qu'on est en attente. Attends, je vais aller le voir. Allez, boy. J'excuse juste avec mes gars. On n'est pas en train de faire un truc sur vous, quoi. Ouais, okay. Non, parce que ton refait, il est... Ton refait, il était tendu, donc... Non, oui, il est certain. C'est les Wu qui le tend, là. Ouais, mais le temps. Ouais, vraiment, les Wu. Ça fait 2 heures qu'on tourne après. Ah, vas-y. Eh, les Armano, descendez, tirez, non? Moi, c'est ce que bah oui, bah ça c'est... Franchement, regarde, oui, t'as vu, ça okay, fait combien mais... de temps qu'ils... Regarde, en fait, ils attendent que toute la voiture soit réparée, ils attendent tous au bénis ensemble, ils veulent pas sortir, frère. Bah, Hermano, en même temps... Et en gros, ils se suivent, tu vois. Vas-y, nous, on vas-y, bah, les couilles, bah, de voiture. Vas-y, descendez, tirez, c'est bon, ça y est. T'y vas, tu pètes, ça y est, faites quelque chose, tu vois. Oui, mais c'est qu'on peut pas péter. Okay. c'est très compliqué. Il a rentré. Au pire, achète le même véhicule qu'on a, tu le rentres dedans. Hein.
Non. Bah, c'est ce qu'on va faire au bout d'un moment, tu vois. Déjà, je suis en 6x6 ça, mais elle a compte de la vie de ma mère, j'ai t'arrives, t'arrives, tu te places comme ça là. Ouais, moi, j'ai l'envoyé dans les murs. Y'a la bike life, y'a la bike life. Tu veux ouais, ouais. Tu veux que je te montre comment ça fait mal ou pas en vrai de vrai? Non, franchement, non, j'ai pas le temps. Bouge pas, t'inquiète. J'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps, j'ai pas ton temps. Attends, vous pouvez me débloquer s'il vous plaît? Voilà. Non, tu restes là, t'es bloqué. Attends, je bouge. Ils m'ont bloqué avec un Pounder carrément. Eh ouais, plan Pounder, l'air, mano, plan Pounder. Il tourne à droite sur le Tibénis. Hermano, vous donnez l'heure à des trous du cul. Hermano, j'étais en train de dire au Wu qu'on avait une voiture solo bloquée, en fait. Je sais pas pourquoi il a pris la poubelle. Parce qu'ils sont trois, on a que deux straps. Si eux, ils sont tous strappés, on est mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est mort. Tant pis. On aura un test. Et puis là, avec le truc que vous avez discuté avec lui, on vous en veut rien du tout. Si on les pète, après, oui, vous pouvez être sûr qu'il voilà, nous éteigne. Hein. Voilà, tu as compris. Bah, moi, je m'en bats les couilles, de toute façon. Dans tous les cas, nous aurons éteint. Enfin, ils seraient venus chercher des noises et on aurait certainement dû payer les pots cassés. Vous savez, pour moi, parfois tu fais des trucs genre très malins, mais parfois c'est pas malin parce que là, pour moi, on devrait clairement être masqué. Et nous, on est des petits. Si on veut faire des missions comme ça, il faut pas qu'on puisse être retrouvé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, tu vois. Et là, découvert les voitures comme ça, c'est désolé, ouais, mais pour moi, c'est un peu trop bête de faire ça comme ça. Bon. Les gars, si on veut faire des trucs comme ça, si on veut se mouiller, venez, on le fait, mais on assure nos arrières parce que là, n'importe qui, on va s'en prendre. Je vous jure que demain, on est mort. C'est quoi? Tiens. Parce que je sais pas comment te l'expliquer autrement. C'est quoi tous les gens derrière? Ah, c'est les 12. Ouais. Parce que... La drogue, c'est mal. Oh non, encore. Sale fils de pute, pourquoi tu te moques de moi, toi, à droite, là? Parce qu'il aime bien me moquer de toi. Mais non, mais capitaine, je rigole, il se moque de moi. Il aime bien me moquer de toi. Tu es mon passe-temps favori, Bijou. Ah, d'accord. Bijou, ouais, on va te niquer ta race, hein. Je te le dis. Arrête, y'a le capitaine, Ah, c'est le mec d'hier, là. Moi, j'ai pas oublié le coup de massue. La vie de ma mère, tu vas voir. Ça va, Hopkins? Capitaine, vous voyez comment je subis? Je jure. Qui, vous? Il me dit, va niquer ma race, vous avez vu, capitaine? Monterro. Hein? Non. On a pas élevé les cochons ensemble, monsieur. Non. Oh, ça y est. Sois pas. J'étais gentil. C'était pas méchant qu'il t'ait dit ça, capitaine Hopkins. Si vous pouvez doubler, allez-y. Hein. Allez-y. Bah non. Arrêtez les cris. J'aime bien le bruit. Eh, quand ton agent il vient à mon quartier et qu'il me met des coups de massue, excuse-moi, mais si on a élevé les cochons ensemble. Bah non, du coup. Ah, Bijou! Y'a des coups de feu, Bijou! Purée, merde, vite! Cochon. Derrière. Ah, bah je pense que ça y est, ils sont descendus, ils ont tiré. Suis. Hein? Suis-les. Ouais, mais je vais pas les... Ah, c'est pas grave. Oh oui. Calm down. Désolé, Maïji. Tu me suis, en fait. Ouais, c'est le but. Faut les suivre, mais pas trop près, sinon on est mort, ils vont... Bah salut, on est juste curieux, on entend des coups de feu. Ils sont pas prêts vers Mesbank? Si, mais je voulais pas passer par la même route. J'ai pas vu les Wu sortir. En gros, quand le compteur il se termine, j'arrête le stream et je fais une longue pause. Y'a rien par là. Bah après peut-être ça a rien à voir là. En général quand il y a des shot fire ils vont tous dans la même direction. Il t'a dit où elle était Samuel Ricky? Non, il y a un problème. En fait les clés c'est le même Neyman que les clés de son pick-up. Il a dû reprendre ce connard. C'est impossible. Il va faire une double. Ah ouais? Si, il pouvait plus démarrer le pick-up. Je sais pas du tout, Chloé. Ah, c'est ballot, ça. Jure. Non, je te jure, c'est trop une mission pour lui prendre Samuel à lui. Le jour où je vais l'avoir, je vais plus lui rendre. Mais il voulait pas te la rendre, il voulait pas te la filer de base, je pense. Pourquoi tu dis ça? T'as vraiment envie de prêter quelque chose? Regarde. Criminal va revenir, je te jure, il aime trop Jimena. Il va la missionner pour qu'elle récupère la clé. Il va lui bouffer le cul.
Hein? Tu parles mal de Jimena? Non, il va lui bouffer le cul, je parle pas mal de Jimena. Oui. D'ailleurs, demain ou après-demain, elle, hein, c'est ça? Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bordel, il roule comme Lucia. Bah, tu vas le foutre, tu m'as jamais vu rouler. Si, t'as déjà vu rouler. Oui, au moment où on conduisait les Ferrari, tu veux que je te rappelle ce que tu as fait? Il trouve que le coucher de soleil est trop beau, sa mère. Tu te rends compte que pendant la course de Ferrari, t'es le seul qui est revenu parce que tu étais tracté avec un camion? J'avoue, de toutes les participantes, t'es le seul. On m'a foncé par derrière. Je me couche avec sur le tapis. C'est pas eux qui lâchent des Mon Boy, Maggi. C'est les 12 Écoute, étoiles. Je pense qu'il n'y avait pas envie d'avoir de récompense dans ce prix, peut-être. Je crois qu'on va... Il n'y avait rien qui m'intéressait. Qu'on va abandonner pour ce soir. Ça m'a saoulé de tourner en rond, là. Et le problème, c'est que les houtans qui sont en guerre, j'ai l'impression qu'ils pourraient avoir... le plan de la banque... Bah, et si on n'appelait pas les Los Teques, justement, pour avoir une conversation? Si tu veux, on peut appeler les Teques. Alejandro, le forceur. T'as vu comment il force trop bien? Ouais, mais les Teques, voilà, Armano, appelé. Il force. Ma chienne? Comment ça, ma chienne? Toi, je vais te livrer au 777, bâtard! Ça dit quoi? Bah, rien non plus. Ça te dit, on se voit justement pour faire un point sur. Sur l'histoire, la story qui se passe avec les 777, où tu en es, si. Parce que tu m'avais dit que t'étais en guerre. Et derrière? J'ai vu. Ok. Ok. Vas-y, c'est bien. Et attends deux secondes, il y avait le pollo à mon cul. Vous vivez où? Vous faites quoi, vous, déjà, là, actuellement, là? Parce que je sais pas où tu vis, toi. Parce que j'ai un de mes gars qui me dit, ouais, faudrait qu'on discute avec les TK, parce qu'on n'a jamais pris le temps, à part du... pour le... Bah, entre le trabajo, de discuter plus que ça. Vas-y, Armando, à toutes. Oh, j'ai un coup de barre, j'en peux plus. 100%, il croit que je le pétais maintenant. Jimmy, où ça? Bah, il m'a pas dit, il m'a dit je joue avec mes Armando, je te rappelle. Ok. Donc maintenant, il va penser ça. Il va clairement penser que. Tranquillo, laisse-le penser ça. Quand il verra qu'on viendra sur place et qu'il n'y aura rien, bah, c'est tout, tu vois. Il vient même armé, qu'est-ce qu'on s'en fout? Imagine, on fait le rendez-vous et là, il y a les 777 qui viennent, ils les pètent, ils vont croire que c'est bordel, nous. Bordel, bordel. Alors qu'on ne veut pas du tout les péter, au contraire. On va comprendre qu'au contraire. On n'a aucune raison de s'allier avec les 777. Hein, Lorenzo? Mais je ne cherche pas à m'allier avec les 777. Oui, c'est ça. Il leur a demandé du travail la dernière fois, il me rappelle. Quoi? Et arrête de mentir. Tu as dit s'ils prennent mon numéro, je ne sais pas quoi, je leur ai donné mon numéro, s'ils ont des trucs pour nous. Pas oublier ça. Mais Pendero, tu le vois celui-là, je vais te le foutre au fond de la gorge. Ouais, je leur ai juste demandé s'ils avaient un bélier, Hermano. T'es con ou quoi? Non, même avant ça, tu avais fait ça. Tu proposes des trucs au 777, ces gros bâtards. J'ai juste. C'est interdit ça. Rien Mais du j'ai tout. Juste rien leur proposé donner, rien pour récupérer un bélier et les baiser. Tu vas rien baiser, gros. À partir du moment où ils seront sur place, tu seras. Et ils, par ils, auraient, ils auraient Comment pas été. Comment les fraises, Tagada? Je sais pas. En fait, tu penses trop que je suis débile des fois. Il a jamais dit ça. Si, je pense vraiment. Je cherchais vraiment à les baiser, comme ça, tu sais. Hey, Tibus. J'ai appelé Blacky, voir ils en sont eux avec leurs conneries parce qu'ils m'ont fait peur tout à l'heure. Par contre, eux me font peur. Blacky. Ouais, beau gosse, ça dit quoi? Ok. On n'aborderait pas et on repartirait pas sur nos trucs? Genre, en gros, on va finir nos plantas, etc., etc. Non, non, de toute façon, même moi, hein, ça y est. Hein. Ouais, je sais, je me... Mais tranquille, eux, on va s'en occuper, vu comment ils nous ont pris pour des putes.
Mais tranquille, on va juste se mettre à niveau pour les choquer. Parce qu'on peut les choquer. Dès qu'on sera à 8, on va les choquer. On aurait pu attraper 3 voitures ce soir hein, si on était juste équipé. Non, oh, c'est la merde. Blacky. Ma vidéo, la je te le dis, le mec il gagne du temps au moment où je le braque, je mets une balle dans la cabeça. Simple, rapide, efficace. Et on remonte en voiture et salut. Bah vas-y, on va repartir sur ça. Il te manquait combien de plantations là? On en fait une, t'en fais une? Bah vas-y, on se retrouve quartier. Je sais pas, Mulian, j'avoue, là, je suis un peu... En fait, ça a rien à voir avec les gens avec qui je joue ou quoi que ce soit. Ça a juste à voir avec le mood du projet. Genre, je me retrouve dans un projet PF sur LS. Moi, je pensais qu'on allait retourner Caillot et... voilà. Mais après, en vue de ce qui se passe, c'est logique aussi. Mais c'est juste le avant-après du projet que j'ai, il est putain, pas... Putain, casse tes couilles, hein. C'est pas ce à quoi je m'attendais, on va dire. Et du coup, là, ça me fout un coup de barre... facile parce qu'on fait rien de spécial à part ce que j'ai déjà fait, refait dans les autres projets. Là-bas. C'est pour ça que ça me... J'ai l'impression de faire ce que je fais tout le temps déjà. Genre. Sans civil, tous sans rien, vous voyez ce que je veux dire? La flotte, les fertiles, tout ça. Ça me lasse un peu. D'ailleurs, faut que je rachète encore de la flotte, il n'y a pas assez. Ah si, là, il y a assez, mais après, il n'y aura plus assez. Ok. Qui veut aller faire pousser vite fait? Qui veut faire quoi, là? J'aurais bien aimé parler à la meuf, mais elle n'est pas là. Je vais le refaire planter, là. Ok. Le reste, je sais pas. C'est vous qui voyez. Moi, je vais aller planter la deuxième. De toute façon, faut qu'on en plante deux. C'est parti. Toi, tu vas faire quoi, Alejandro? Je sais pas, il m'en bat les couilles. Ce que vous avez besoin, il va le faire et puis c'est tout. Arrête de bouder. Boude pas, pourquoi tu dis ça? Tu boudes. Pourquoi tu boudes? Et c'est pas en train de bouder. Ah, attends, juste le rendez-vous avec les Los Teques, là, je parlais avec eux. Pourquoi tu fais ça? Non, mais les Teques, Hermano, les Teques, plus jamais... Bien croiser les bras. Plus jamais les Teques nous répondent et nous donnent un rendez-vous, comme ça, tu sais. Hein. Tu penses? Ah bah, vu comme il m'a dit, vas-y, je te rappelle, je vais avec mes gars. Il y a une raison qu'il s'inquiète de nous, je te demande pas. Bah, il faut oui. Que tu me donnes le numéro, je lui parle. S'il faut qu'il le menace pour le ramener, je vais le bah menacer. Bah oui, c'est intelligent, ça. Oui, comme ça, moi, il va venir. Après, si vraiment, j'aurais juste appelé Adrian et c'est bon. Hein. Oui, ouais, vraiment, je pense que tu vas faire ce fait-le, s'il te plaît, comme deux, ça. Vas-y. Ça va l'endormir. Oui, mais j'ai peur que si je l'appelle, il pense que justement c'est un get-get. Ouais. Trop, ça fait falseuse, oui. Ouais. Oui. C'est qui? Les Teques, on l'a appelé parce que Alejandro aimerait mettre des choses en place avec eux. Je suis pas contre spécialement, mais avec parcimonie, parce que si les 777 tombent sur nous pour ça, bah on est des hommes oui, morts. Oui, c'est hein, ça. Vraiment. En fait, c'est pour ça. Sachant que elle, si le moindre 777 sait qu'elle a envie... C'est qui elle? Tu peux pas demander notre identité. Ah toi, mais pourquoi? Parce que j'étais du cartel de Caillou. T'es pas une Rivera aussi? C'est tout comme. Non. Oh. Non, je porte pas le nom. Heureusement pour moi, sinon je serais tellement morte. Tranquille, on peut te calculer. Bon, on va faire une fournée. Toi, tu vas faire une fournée. Ceux qui veulent aller vendre, allez vendre. Ceux qui veulent aller pisser. Ceux qui veulent aller se toucher les couilles. Dans un truc pour s'amuser, allez vous amuser. Moi, chasser des fantômes, ça m'a gavé. Perso. On chasse pas des fantômes, juste on peut pas les chasser tout court. Pour la réalité en face. Bah, en fait, on a. Oui, pour l'instant, on peut rien faire. Mais. Tu vois, bah, on a été utile. Les Wu auraient pu sortir du bénis s'ils avaient vu qu'on les bloquait. Tu vois, plutôt que d'attendre comme des cons au milieu. En fait, regarde, il va pas te payer pour la moitié d'un service. Ce que j'aurais fait moi, c'est. Il te paye pour le service quoi. C'est quoi le service si tu dois lui ramener? Il va pas te payer pour... Sauf que moi, tout à l'heure, j'ai été dans son quartier, je lui ai dit « file-moi un autre strap que tu me dois, qu'on va finir de te payer là, parce que pour l'instant, j'en ai que deux, donc c'est compliqué. » Tu vois. Et là, le truc, c'est que déjà, le nombre de straps, ça va pas.
le nombre de personnes, ça va pas. Là, on va arrêter une voiture. Vu comment ils sont, ça va arriver derrière, on est mort. Après, je vais mentir aussi, c'est très bête de faire ça. Là, en fait, c'est comme ça. Déjà, mais on s'en bat les couilles. Après, ça, c'est une chose. Mais dans tous les cas, s'ils nous répètent pour savoir pourquoi on fait ça, on dit on est payé, on aurait fait la même pour n'importe qui. Point. Le truc qu'il y a, c'est que là, on peut essayer de coincer quelqu'un, mais il y a une autre coachée qui va arriver derrière et c'est nous qui allons finir dans le coffre. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Je ne pense pas qu'ils perdent le temps à parler ici. En fait, c'est ça le truc, t'as vu, c'est eux là, ça se voit, ils parlent pas. T'as vu, quand le gars m'a dit, t'as dit quoi? T'as vu, je voulais l'insulter sa grand-mère là. Ouais, il serait descendu, tu aurais tiré dessus. Oui, ouais, bah c'est exactement. Ça. Même au bout d'un moment, moi, je suis comme, je vous mens pas, je serais descendu, je l'aurais arraché sa grand-mère. Hein, j'ai pas de... Oui, mais pareil. Ouais, les gars, partez du principe, on a deux pétards, on est cinq. Ouais, c'est ça. Mais regarde, Blackie, attends, je vais arrêter de tourner parce que vas-y. Et Blacky me connaît, il saurait que comment il nous a parlé, je serais descendu, même lui, on lui a dit. Je te mens pas, même moi j'aurais un strap, je pense qu'on serait descendu tous les deux. Pour moi, vous voyez ça, pour moi, juste gardez-le en vous, venez on fait le nécessaire pour se strapper plus. Là on sait qu'il y a énormément d'hermano qui reviennent, là on va les niquer. Et ben, regarde. Juste pas oublier les problèmes qu'ils ont fait, tu vois. Et ben ouais, regarde, mais... là ce qu'il faut, c'est aller faire les... Tiens, j'ai un bébé qui m'a... Ah ? Ouais, Ace. Oh, allô ? Ouais. Ouais, est-ce que je suis dispo là actuellement? Je suis dispo? C'est bizarre. Tu te fais chier? Hein? Non, dis-moi pourquoi? Parce que j'aurais pu te proposer une petite mission. Vas-y, je t'écoute. Me péter la flicade de Paletto. Te péter la flicade de Paletto? Ouais. T'as ce qu'il faut pour? Normalement, ouais, je t'aurais dit, tu me fais ça. Si t'es chaud, bien sûr. Mm-hmm. Derrière, on reprend les lingots. On va stocker un. En fait, j'ai pas envie de refaire un RP comme je faisais avant. Ça a rien à voir avec les joueurs, parce qu'en temps normal, j'aurais pas fait 25 RP gang ou RP petite frappe juste avant. Je m'en battrais les couilles. Je kiffe les joueurs avec qui je joue, c'est juste là, j'ai pas envie de faire ça et j'ai envie d'avancer ma trame perso parce que je sais toujours pas ce qui s'est passé, moi. Non, je suis pas triste. Je suis pas triste. C'est juste là, c'est lourd, mais il était bizarre le téléphone quand même un petit peu, tu vois. Donc, ouais, parce que les L13, on s'est un peu chicoté avec eux quand vous étiez au, je sais pas, je me dis que ça se trouve, ils se sont tous appelés, ils sont tous en train de faire une guerre nord-sud, tu vois. Ouais, mais si jamais... Ouais, mais... Je vais dire un truc. Si les BV sont au courant que... Je vais me mettre les bagues. Et... L13, pétez-moi des... Le rendez-vous, j'ai un mariage dans la famille. Ah, bah ça... Mais ça, c'est mieux que tu passes maintenant, hein. Mais ça, vrai, tu seras tranquille. Des messages, on avait bloqué une voiture. Et on discutait normal, mais... Tu vois... Moi, avec un strap, je peux pas les péter, tu vois. Enfin, avec deux straps, j'avais que deux straps là, tu vois. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, on essayait de tempo. C'est la mairie qu'il fallait appeler pour savoir s'il y avait.
Bah les flics, ouais, mais j'aimerais bien parler à un flic que je connais, ce serait plus simple. Les flics, ils sont tout le temps occupés, il va juste me dire oui, oui, non, non. Ça va, Lucia ? Et ça va, et toi ? Et eh bien, tu faisais quoi ? Rien, j'ai passé des appels. Ah, d'accord, mais d'accord. J'ai autant de vous que je t'ai chassé toi, tu vois. J'en pense quoi, toi, t'étais parti où ? Hein ? T'étais parti, là ? Vas-y, 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 vas-y. Ah, tranquillo, il a pas griffé la moto, c'est pas ce que tu crois. Ah. J'ai pas... Ouais, j'ai pas t'es tombé. Lorenzo, d'accord. C'est chiant, cette situation-là. T'es tombé avec. Si, je suis tombé, oui, c'est vrai. Et alors, tu me juges ? Viens te voir, toi, rouler vite, en moto. Et ça m'étonne pas, hein, quand tu sois tombé, tu sais. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Ça m'aurait étonné le contraire. Bordel, tu vois, un avis de moi, il est trop grave. Je suis choqué. Bah, il est trop vrai, en attendant, t'es tombé ou pas ? Non, il s'est pas... Ah si, tu m'as dit que tu étais tombé. T'es vraiment un menteur, hein. N'importe quoi, il s'est pas un menteur, il s'est pas tombé. Tu m'as dit que tu étais tombé juste avant. Oui, c'est... Tu vois, il arrive pas à te mentir, bordel. Tu vois, tu m'as menti. Il est menti parce qu'il veut pas que tu me vois comme un trou de balle. Et un trou de balle ? Non, c'est pas un trou de balle. Justement, il veut pas que tu me vois comme un trou de balle. C'est pas parce que tu tombes d'une moto que t'es un trou de balle. T'inquiète, Mélie, ah, qu'est-ce qui va pas, ma belle ? C'est-à-dire, imagine, on est dans une situation de crise. Tu as besoin de moi, je te fais monter sur la moto. Et là, tu te dis, bordel, je vais pas monter avec lui. Bah, j'appellerai Lorenzo. Si c'est la crise et qu'il faut une moto. D'accord, je vois. Bah, vu que tu sais pas conduire. Je préfère Lorenzo, d'accord. Ah, mais attends, mais ça a rien à voir. C'est ah, juste que tranquillo, il sait. Tranquillo. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, c'est juste c'est que okay, si. D'accord. Regarde, si demain il y a que moi qui sais cuisiner des pâtes carbonara et que t'as grave envie de manger des pâtes carbonara, tu vas m'appeler moi. Mais si demain je sais pas du tout faire des pâtes carbonara, ouais, tu vas demander à quelqu'un grave. D'autre. Non, parce que je veux que ça soit préparé avec amour. Tu as compris, tu veux pas que je te conduise avec amour. Va avec ton Lorenzo. Mais quoi, mais ça a rien à voir. C'est tranquillo. Juste. C'est juste Lorenzo, il sait conduire une moto, oui, c'est Lorenzo, tout. Il sait faire ci, Lorenzo, il sait faire ça. Il a compris. Mais je Lorenzo sais qu'il savait conduire Lorenzo une moto. Oui, il sait tout faire, Lorenzo. Bah, je sais pas. En tout cas, il sait conduire une moto. Et tu le trouves beau, Lorenzo ? Mais ça n'a rien à voir. Réponds à la question. Pourquoi ? Parce que je veux savoir. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de la moto. Oui, mais je veux savoir. Pourquoi bien, ça va, Lorenzo ? Tu sais conduire une moto ? Je dérange ou... Non, pas du tout. Tu tombes à pic. Je reviens. Le bourbier. Grosse merde. C'est quoi, Lucia ? Rien, j'ai évité une discussion. Gênante ou pas gênante ? Gênante. GG, t'as gagné. Ouais. Si tu veux, je te couvre. Tu vas faire quoi après, là ? Je sais pas, je suis KO tout le temps, ça me saoule. Mais pourquoi t'es KO ? Je sais pas. Bah dors, t'es con. Bah ouais, mais j'ai pas l'habitude de dormir la nuit, moi, de base. Ah ouais ? Bah ouais. Ça dans la journée ? Ça se la tue à Valo, hein. Non. C'est faux. Toi, t'es forte ? À Valo ? Ouais. Ça dépend ce que t'appelles fort. C'est quoi les lourds ? Minimum diamant. Plate. Tu plates. Ah oui, bah non. Moi, je peux t'aider, moi. Non, mais je veux pas d'aide, ça va. Dommage. Non, mais pas je fais des games avec toi. Hein. C'est quoi que tu veux dire, pas aider ? Genre, je te donne des conseils. Non, mais après, je travaille pas, hein. Je joue à peine, hein. Je joue plus. Ah, moi j'ai un coach, moi. C'est qui ton coach ? Je t'expliquerai, mais c'est... Il abuse sur les grandes lignes, mais bon, oui, c'est un... Si, c'est un coach, t'abuses, il est fort, gros. Bah oui, c'est un semi-pro, donc... Rappel, je t'avais envoyé des messages. Savoir si tu connaissais une personne. Ouais. C'est ce coach-là, justement. Ok. Mais je sais toujours pas si je connais, du coup. Mais en fait, moi il m'a dit des trucs, tu vois, et je pense que c'est vrai, hein. Mais dis au pire. Genre, il te connaît, mère, en fait, il te connaît, tu vois, lui. Mais genre, ça fait très très longtemps, par contre, tu m'as dit. Mais il me connaît d'où ? Ouais, attends, c'était quoi ? Vu la conversation, j'ai mode, hein. Waouh ! Ah oui, bah, peut-être, mais je connais beaucoup de monde de là-bas, hein. Bah oui, mais apparemment, tu le connaissais bien. C'est-à-dire ? C'était un bon ami à toi, un très bon pote. Ouais, un très bon pote. Quelqu'un à qui tu parlais souvent.
Rémi, Marco. Ça, ouais, ça me dit un truc, mais si c'est celui à qui je pense, c'est un très bon ami et après un très beau fils de pute. Ouais, c'est ça, ouais, bah c'est lui. Ah, ok, bah c'est bon, je vois c'est qui. Bah non, merci du coup pour le coach. Il m'a dit que vous étiez embrouillé, je sais pas quoi. Moi, ça passe plus maintenant. Oui, bah oui. Et bah ce gars-là, il est devenu super fort, hein, je te mens pas. Bah tant mieux en vrai. Ouais, ouais, ouais. En vrai, même sur CS et tout, hein, c'est devenu pro. Bah c'est cool. De ouf. Et toi, c'est. Il manque plus de temps. Ouais, je crois bien. Hein. Non, 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 en vrai, je souhaite le mal à personne. C'est juste. Je le côtoie plus depuis longtemps, t'as vu. Mais toi, j'ai pas compris. En fait, à la base, t'es de Caio aussi, c'est ça. Ouais. T'étais avec qui en vrai? Moi, j'étais dans le cartel de Caio. Oui, non, mais je sais, mais t'étais avec qui? T'es venu avec qui de là-bas? Comment ça? Bah, elle est venue avec nous. Non, mais t'as pas compris. T'es venu à qui? Enfin, t'es né à. C'est qui ton daron? Mon daron, c'était Angel. Le meilleur ami de Iker. Ça me dit un truc, ça, non? Il est parti à New York, Angel. Tu comprends? Ouais, 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 c'est bon. L'air. Ouais, mais moi, j'ai compris, moi, t'inquiète. Et là, ah ouais, du coup, t'as en fait, dès qu'on sait ton. Non, en vrai, ton nom, ça va. Non, mon nom, ça va, c'est Guzman. C'est. Ah, quoique. Mais ouais, c'est. Voilà quoi. Blacky, voilà. Blacky, je te laisse. Tu peux faire une demande à la mairie pour changer de nom et de prénom aussi. Je vous laisse vous deux gérer les deux plantations, les deux, trois plantations qu'il y a à faire. Ouais. Alejandro et moi, on va vendre. Lucia, tu veux tourner en moto sur le Rinté pour surveiller les pollos, tout ça? Moi, j'ai un truc à faire vite fait. Bah, vas-y, va faire ton truc alors. Tu dois aller voir un mec. Non, ah, rien à voir avec les mecs. T'as bien raison, les mecs. Tiens, Lucia, t'as bien raison. Quoi? Quelque chose pour toi. Vas-y. Tiens, prends ça. Tu vas te donner quoi ton couteau en mode, tu crois, elle est confiante? C'est une clé de voiture, ça y est. Ça m'a raquette. Ah, ça m'a raquette mon couteau d'une puissance. Mais reprends-le, j'en ai un en fait, mais il est chez moi. Hein. Hey, attends, Alejandro, je vais essayer un truc. Eh, écoute, tiens, moi je vais pas payer 50 ans, t'as vu? Je voulais te vendre un pochon de weed. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vas-y. Viens, on met tout dans cette voiture. Je dis, appelle-moi, elle a pas oui, mon une seule voiture. Non, allez, je pense pas que tu pourras tout mettre dedans. J'avoue, j'ai pas son hume. Prendre le bison. Tu vois pas qu'on mette ça dans celle-là? C'est la clé de quoi que tu m'as donné? C'est la clé du Huntley et de la BF400 qui t'a donné. Ok. Ta mère, il fallait laisser ma phrase de beau gosse. Ouais. Il était long, moi, ce lait. Bref. C'est ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'en apprends une mauvaise nouvelle. Encore? Dis-moi. Ouais, mais je peux pas en parler ici. Bah, dis, envoie-moi mail. C'est envoie. Je veux savoir, je suis trop curieuse de ta réaction là. Il aime pas ce genre de réaction. Ouais. Attendez. C'est pas le moment d'avoir des problèmes. Ouais, je comprends, non, ma belle. En tout cas, je suis là. Toi, tu vas me faire, le bâtard. C'est compliqué. Dans tous les cas, t'es pas toute seule, ok? Mais attends, je comprends, Mars. Je vais essayer de te montrer un truc pour que vous compreniez vite. Où est-ce que je vais trouver un truc? Est-ce qu'ils en parlent déjà sur l'internet? Tu dois aller voir qui, Lucia? Son mec. Je dois voir personne, je cherche quelque chose. Je cherche. Tiens, je vous donne un petit bout de papier, je sais pas si vous allez comprendre, mais... On va dire que les tirs au but ont été fatales. Ah, je m'attendais à un truc de ouf, j'ai grave envie de t'insulter, je vous ai prévenu, bande de bâtard. Ah, je m'attendais à un truc de ouf. Eh ben, j'ai mal au cœur. Enculé. Ah, putain. C'est parce que l'OM, il perd. Moi, je pensais trop, c'est en mode, on va avoir des problèmes. Cette personne est morte. Ah, je pensais un truc de fou. Ta mère, toi et ton truc, là. Je vous l'ai dit. Tu casses les couilles. Ah là là. On va tirer dessus. Il y a des gens qui veulent nous tuer. Ah vas-y, okay. Toi aussi, vraiment. N'importe quoi. Lucia, va faire ce que t'as à faire, Hermana. Ouais. Comme ça, c'est fait. On prend quoi, nous? On met tout dans le bison? Le bison est... Je pense. J'aurais mis dans la voiture bleue. Mon chien. Rires.
Putain, je m'attendais à ce qu'ils me disent. Ouais, il y a des problèmes à chercher, machin, avec je sais pas qui. Je m'attendais à un truc de fou malade, frère. Il m'a sorti quoi? Un screen de l'OM. Tac. Alors. Je sais pas si ça marche. Ça marche ou pas quand on appelle ici? Je sais ce que je vais faire. Oui? Ouais, ça sonne pas. Wong. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Pardon? C'est monsieur Wong au téléphone? Oui, oui. C'est, je suis Lucia, je sais pas si vous vous souvenez de moi, vous m'avez aidé, moi et mes amis, quand on est arrivé de Caillou. Oui, oui, Lucia, oui. Oui, c'est bon. J'aimerais savoir, parce qu'en fait, depuis que je suis revenue, j'ai perdu de vue des gens de ma famille. Et vous savez, avec la guerre, tout ça, je ne sais pas s'ils sont tout simplement tombés en combat ou tout simplement partis. J'aimerais savoir si vous avez un contact qui pourrait savoir ceux qui sont tombés lors de la guerre ou pas. Ce qu'il faudrait faire, oui, il y en a, malheureusement, il y en a beaucoup. Il faudrait que vous me fassiez une liste par message. Il n'y en a que deux, en fait. Ok, ben envoyez par message, que je suis désolé, hein, parce que j'ai pas mal d'informations. Envoyez-moi par message, nom, prénom, ok? Je me renseigne. D'accord, je vous dis. Merci beaucoup. Toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée. Merde, j'ai pas mon skate? Si, c'est le 4. J'allais voir à l'hôpital. J'ai déjà demandé à la dame de l'accueil des médecins, madame. Eh, c'est pas grave, je vais patienter.
Il vous est arrivé quoi? Rien du tout. Je viens pour un renseignement. Ah si. C'est pas la femme de la police, elle? Pas du tout. Ok. Vous voulez pas prêter votre couronne de c'est quoi, c'est des marguerites, ça, hein? Pâquerette. Oui, c'est pareil. Des pâquerettes pour Eliane, parce qu'elle en a une autre vache. Non. Ah non, on fait un échange. Je échange ça contre votre couronne. Non, je veux pas la donner. C'est très personnel, on va dire. Mm-hmm. Mais votre nœud est très joli. Dans les cheveux comme ça. Non, il est dégueulasse. Arrêtez de mentir. Moi, bon, j'avoue. Tonton. Je vais pas mentir. C'est vrai, c'est vraiment moche. Hein. Toi, vraiment moche. Pourquoi vous l'avez acheté? C'est une débile. C'est une débile. Non, attends. Je peux vous montrer, mais attendez. Pas de moment réfléchir. Est-ce qu'on est tous en train d'attendre les médecins pour Camilo qui est dehors? Vas-y, viens. Ok, ça marche. Non, mais non, mais pas de. Ok, si mon réfé il me voit avec, il va me déglinguer. C'est pour ça, attendez. Vas-y. Quoi? Elle est bien ou pas? En vrai, elle pète sa mère. T'as vu? Incroyable. Il m'a dit si je te vois avec, je te tire dessus. Je comprends, je comprends, mais incroyable. Non, n'importe quoi, je comprends pas moi. En vrai, bah, il va bien que la tenue, hein, le nœud, faut le garder. Si, bah oui. C'est pour ça que je l'ai pris. Ah putain. Vous allez bien? Si, ouais, tranquille, kilo et tout. Tranquille. Ça va bien. Soir. Si, voilà. Tiens, jette-le dans le lit là-bas. C'est là où les internes auraient dû l'emmener. Là-bas, là? Ouais. Waouh! Bonsoir. Pardon monsieur, mais on a un blessé, je vous le ramène. Pour l'instant, on ne trouve pas de traces qui indiquent leur décès. J'essaie de savoir plus, je vous tiens au courant. Je le ramène ici, dans le lit. Ah, mais il y a déjà quelqu'un. Je te jure. Il est trop trop gentil. Je sais pas du tout. On est à l'aéroport, on l'a retrouvé comme ça. Bon allez, bon courage monsieur, hein. Oh, désolé. On va y aller, nous. Tout speak, regarde, y'a... Allô, allô. Yo! Y'a qui? Oji, elle est où ta tenue orange, tu l'as enlevée? Bonsoir. Bonsoir madame. Comment je peux vous aider? Je peux vous parler un peu plus en privé s'il vous plaît, c'est pour un renseignement. Oui bien sûr, suivez-moi. Dites-moi tout. Alors, je suis à la base de base Caillou Pelican. Ouais, vous le savez, il y a eu une guerre. Oui, oui. Je n'ai pas participé à cette guerre, mais je sais que beaucoup de gens sont morts. Notamment, j'ai des gens de ma famille qui habitaient là-bas. Et j'aimerais savoir si vous avez eu peut-être un corps ou peut-être une information que je n'ai pas, car je n'ai plus de nouvelles d'eux. D'accord, c'est quoi votre nom prénom s'il vous plaît? Le mien, c'est Lucia Guzman. Ok, je vais voir si on a quoi que ce soit sous le nom de Guzman. Si. Vous pouvez monter votre carte d'identité juste pour être certaine comment ça s'écrit. Ok, merci. C'est à propos de mon frère Louis et mon père Angel. Tous les deux s'appellent Guzman. Non, malheureusement, on n'a rien au nom de Guzman. Après, on n'a malheureusement pas eu tous les corps hein, de la guerre. Donc, je ne peux pas vous répondre. Peut-être essayez d'aller au BCMD. Peut-être que eux les ont reçus. D'accord, bah, je vais essayer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir. Au revoir.
BCMD, elle m'a dit. Allô. Merci, Mélie. Quand je fais ma voix calme. Non, y a pas. Ça répond pas. Bah, je peux rien faire de plus en fait. Ça va et toi, Guérin? Moi, je peux descendre ici. Y a pas un escalier quelque part ?
Padre, je fais qu'enquêter tous les jours, matin, midi, soir, pour te retrouver, toi et Louis. Mais je ne trouve rien. Je ne dors plus et je n'arrive plus à penser à rien d'autre qu'à ce doute en moi que je n'ose même pas écrire sur ce téléphone. S'il y a le moindre espoir quelque part, j'aimerais rien qu'une seconde en voir la couleur. Je suis en train de perdre toutes celles qu'il me reste dans ma vie. Ma vie devient grisâtre sans vous, et malgré mes tentatives, pour la rendre un peu plus colorée, je n'y arrive pas. Sans toi, sans Louis, Iker, Cario, sans Salès, sans Mira et tout le reste, moi je suis censée avancer. Je ne connais pas cette vie que je suis censée vivre sans vous. Donne-moi juste un signe. Juste un, je t'en supplie. Eh, hola, hola! Si, tu vas bien? Ouais, tranquillo, toi, tu vas faire quoi? Je vais à la plage, en bas. Ah, vas-y, vas-y. Bonne soirée à toi. À toi aussi. Mama. Tu peux pas savoir comme l'eau m'a manqué. J'ai toujours l'habitude de te parler toujours au même endroit, mais... Je suppose que tu es toujours derrière moi. Alors qu'est-ce que ça change? Si ma vie est vouée à vivre ici,
si je peux plus retourner chez moi à cause de ces enfoirés, de nouveaux miliciens de merde. Eh ben, je préfère me dire que tu me suis alors. Je n'ai pas revu Louis, ni Padre. Je sais que peut-être que, toi d'où tu es, tu les vois, mais... Moi, je ne vois rien. Je suis en train de perdre l'espoir. Personne ne me donne des réponses. Des flous. Un coup, ils sont morts. Un coup, il n'y a pas de corps. Un coup, on n'en sait rien, parce qu'avec la guerre, on ne sait plus. Puis, il faut voir avec lui, ou elle, ou lui, et personne ne donne de réponse assez satisfaisante pour savoir la vérité. Moi, je suis censée me contenter d'un doute. Moi, je suis censée avancer alors que je sais même pas ce qui se passe. Je sais même pas si je suis censée continuer à chercher ou daigner essayer d'avancer sans eux. Je sais même pas si je suis censée préparer des obsèques. Ou préparer un bon repas de retour. Ce que je sais, c'est que je ne tiendrai pas sans eux. Alors j'espère de tout cœur que ce doute que j'ai en moi, ce doute que les deux personnes que j'aime le plus au monde ne soient plus de cette vie, j'espère de tout cœur que c'est faux. Parce que si ça s'avère être vrai, je pense qu'à mon tour je disparaîtrai moi aussi. J'espère que tu ne m'en veux pas, maman. Car je peux pas vivre sans Louis. Un père est censé mourir avant ses enfants, certes. Moi, Louis, c'était comme le mien. Je refuse qu'il soit mort avant moi. J'espère que tu me comprends. Et j'espère que malgré tout ça, tu es fière de moi. J'espère de tout cœur qu'ils sont encore en vie. Peut-être qu'ils ne m'appellent pas parce qu'ils pensent que je suis morte. Peut-être que Louise n'a jamais appris mon numéro par cœur, ce petit con. Je suis dans le doute, comme je t'ai dit. Il me manque, maman. À bientôt.
Non. Les Yanis, c'est les J-Fox. Ça va quoi, dis tout. Ça va, nickel. Je vais voir pour vous mettre ça, ouais. Tola. T'es, vous êtes où? Oui, attends, je dois raccrocher. Ah. Et allô? Allô? Ouais. Ouais. Vous êtes toujours en train de vendre? Ouais, mais là, il vient de se faire tomber dessus par les poyos. Oui, je m'en suis douté parce que je l'ai appelé et il m'a dit il faut que je la cloche. Bah ouais, il vient de se faire tomber dessus par les poyos. Ça va, j'étais un peu plus loin, moi, mais... Ok. On verra bien comment ça se finit pour lui. Aïe! Vous en êtes où dans votre vente? Bon, on a vendu, je pense, la moitié. Ok, ok. Donc, mais là, on va devoir aller faire le de la 8 parce qu'il manque un peu plus que prévu. Ok, ok. Donc voilà, on va attendre. Là, moi, je vais bouger là, je vais rentrer au quartier, je vais prendre ce qu'il faut pour aller faire des plantations. Ok, ça marche. Vas-y, à tout de suite. Vas-y. T'es où? Je suis au quartier là, je viens de rentrer. Ok, bah vas-y, je suis là. Vas-y. Merci, Mélie. Il s'est fait péter du coup? Ah, c'est sûr. Je l'ai appelé, il a dit allô, il a dit je dois la clocher. Ouais, moi il m'en reste 40. Lui il a dû. Ouais, je sais pas combien il avait sur mais, lui. Hein. Mais vous prenez autant sur vous? Non, dans les coachés après. Ah oui, oui, ok. On les garde bien loin, mais. Mais bon, il s'est fait péter. Parce que 40, c'est énorme. Non, 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 t'es folle ou quoi? Je prends pas autant sur loin. Je prends 10 et 15 sur la première tournée, tu vois, ça me laisse le temps, mais après c'est chaud. Ok, ça marche. Vas-y, j'ai déposé ça, j'arrive, j'ai récupéré de la plantation. Vas-y, vas-y. Je veux voir un truc. Donc, je suis sûr qu'il est pas là. Oh, il a un chat. Oui. Exactement, J-Fox. J-Fox, c'est quand tu viens jouer en RP avec moi?
Mais il a rien fait à son appart. Un mytho, il a tout enlevé. Ah, ok. Ok. Une cafetière qui vole, mais... Ok, il a fait quelque chose. Il a 12 000 balles. Piquine bien. Piquer ses whisky. Allez, il a quoi d'autre? Oh, les cartes de visite. On sait rien. Ok. En vrai, ça va. Hein. En vrai, il a géré. Ça va. Que j'aurai une meilleure co et que je suis déter, je vais avec toi, c'est promis. Oui, autrement dit, jamais quoi. Je continue, moi. Je vais dire. Ah, j'ai pas vu. J'ai été voir. On va regarder. Ah oui. Mais what, tout ce qu'il a, lui. On va lui piquer un petit burger là. Un petit panini. Un petit panini. Eh bah écoute. J'espère, frère. Toujours une abrou, Titou et Néa. Moi. C'est trop mignon. Un porte-clés, putain. Nécessaire. C'est incroyable, bah oui. Je vais la poser là. On va la cacher entre guillemets. Cachette. Là ici. Comme si elle veut pas forcément qu'on la voit. Attendez, c'est vrai, j'ai plus ma cam. Merde. Et F7, F3. Faible décor. Il n'y a pas encore de décor, vraiment. Il y a juste mes lapins, le petit feuillage et les guirlandes. Attends, je te montrerai en plus grand.
Regarde, il n'y a rien encore. Il y a juste ça, ça. Après, là, il y a un miroir, il y a des cadres, mais j'ai encore rien accroché. Mais oui, c'est sûr que c'est mieux qu'avant. Bon, là, il y a mon Bob Rukia. Lis mon message, pardon. Oui, c'est la clé de l'appartement d'Alejandro. Je l'ai capté aussi tout à l'heure qu'il avait écrit ça dessus. Eh oui, mec. Je suis plus brune. Bien sûr, ça fait longtemps que t'es pas passée. Je suis re-blanche. Après, pour ta défense, je change de couleur de cheveux tout le temps. Ça, c'est quoi? Rien de spécial. J'ai fait des scènes pour savoir... avoir des nouvelles de Louis et de mon père. Enfin, de son père. Et après, j'ai fait une scène où elle parlait à sa mère dans l'eau. Et voilà. Voilà, voilà. Ah. Oh non. Ne dis pas que quelqu'un arrive au moment où j'enlève mon truc. Merde. J'avais pissé. À orange, rousse, à blonde, orange, à reblonde. Ouais, et à blanc là. Je suis presque blanche. Et encore, avant reblonde avant, j'étais rose. Ouais. On a fait les steps. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce galérien? Qu'est-ce qu'ils font? Allez, dors bien, passe une bonne soirée. Vas-y, bisous, J-Fox. Merci, mon frère. Je vais pas tarder à aller dodo, je crois. Je suis fatiguée, en fait. Vous faites quoi? Et ta... plantation. Et toi? Bah, là, rien, je viens de revenir. Et t'as fini? Ouais, c'est bon. Tu veux venir avec nous? Bah, en vrai, j'hésite à aller dormir, je suis rincée encore. Bah, va te reposer alors. Ça me saoule. Bon, si t'as rien à faire, le mieux c'est que t'aies été couché, je te rends pas. Ouais, bah, j'hésite. Vas-y. Bah, vas-y, à demain. Vas-y, ça marche. Vas-y, bonne nuit. En fait, j'ai pas envie. En fait, vous voyez ma hype de caillou avant? Ma putain, ma bête de hype d'avant là? Du coup, ça me... Je suis plus hype parce qu'il n'y a plus le même mood, il n'y a plus caillou, il n'y a plus tout ça. Et du coup, j'ai l'impression de refaire un RP. Bah, de toute façon, je vous explique depuis le début. Hein. De refaire le même RP que j'ai déjà fait, avec juste un personnage différent. Et encore, j'ai plus de trame parce que là, je suis bloquée sur la même trame et personne ne me donne de news. Et du coup, bah, je suis baisée. Parce que les gars, vous voulez que je fasse quoi à caillou? Il n'y a plus personne. C'est dirigé par le 777, le groupe qui va clairement me buter si ça veut que j'étais du cartel. Donc je sais qu'il faut pas que j'y aille. Oui, c'est une question de logique, de fear. Faut pas que j'y aille toute seule du moins, ou alors faut que j'y aille discrètement. Et dans ce cas, je peux pas retourner y vivre pour l'instant. Ah, en vrai, il y aurait eu Titeuf, je serais chaud. Parce que Titeuf, c'est grave good mood, on rigole, tu vois. Mais là, faire du civil solo, j'ai pas trop envie. J'ai plus envie de limite de faire du chatting banal, faire du react. Je sais pas, en fait, c'est l'effet boule de neige. On était grave hype avec Johan.